1, 2, 1, 2. Jérôme, vous m'entendez? Ça va? C'est assez fort ou pas? On met un peu de volume? On met un petit peu de volume? Ouais. Vous mettez un peu de volume, Enzo, sur les micros, s'il vous plaît. Ossine va bien? Claude? Pardon? Jérôme, vous m'entendez, il n'y a pas de souci, même avec le masque, c'est parfait, parce que ce soir, on va bien garder le masque, et on va faire tous bien attention, et on aérera de temps en temps. Bien, bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues, donc conseil municipal, je tiens à remercier les personnes physiques présentes qui s'intéressent à nos travaux. Remercier la presse, M. Bigot pour le progrès, Anne Jaillette qui s'excuse mais qui est en ligne et qui nous suit avec attention sur Facebook. Donc on la salue, on salue aussi le public qui nous suit via les réseaux avec, cette retransmission en direct à chaque fois. Le quorum, nous l'avons, donc nous pouvons ouvrir la séance du conseil municipal donc du 13 décembre 2021. Je vais procéder à la lecture des pouvoirs. Nous avons Jean-Yves Edon à Monsieur le maire jusqu'à son arrivée, puisqu'il est en session départementale. Annie Delpont à Annie Cluzel. Sébastien Caron à Dominique Canot. Anaïs Boutemi à Sylvie Schreiber. Olivier Gondard à Virginie Berthelon. Et Virginie est arrivée, voilà, très bien. Et ouais, parce que... Je suis pas la bonne place. Il faut que tu... C'est pas grave. Si, si, monsieur, regarde. Hop. On attend dans son arrivée, ah. Non, mais c'est mieux. Si, 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 viens, il nous rejoint. Si, si, si. Donc, Virginie, bien à sa place. Donc, Olivier Gondard. C'est le pouvoir, hein, donc... à Virginie, Gérard Salagnon à Madame Charlotte de Menton, Philippe Rodriguez à Monsieur Bernard Méran et Karim Smi à Monsieur Cheva. Est-ce que, Catherine, on a fait le tour des pouvoirs parce qu'il y a eu des nouveaux en dernier moment? Très bien. Parfait.
On va donc nommer la secrétaire de séance. Cher Manon Turchi, on pourra lui souhaiter son anniversaire, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 20 ans. Donc vous n'hésiterez pas. Vous n'hésiterez pas à lui souhaiter son anniversaire. Merci Manon de prendre en charge le secrétariat de séance. On va donc valider le procès-verbal précédent, donc le procès-verbal du 2 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires sur ce PV ? Jérôme, vous m'entendez toujours bien ? C'est ça que j'ai l'impression d'avoir une drôle de voix. Bon, très bien. Non, ça doit être le masque, je crois. Le 2, non, pas de remarques sur le PV précédent. Très bien, donc on approuve le PV. Je voulais laisser ma place à Audrey Marchais, qui va venir s'installer. Audrey, rejoignez-nous. On va lui donner la parole. Audrey Marchais, qui vient remplacer un pilier de la collectivité, qui était Dominique Bourgeois, que vous connaissez toutes et tous, et qui avait plus de 40 ans de service pour la ville de Belley. On a une pensée pour elle. Donc elle est en forme, rassurez-vous, elle est en train de se reposer. C'est son premier lundi de retraite, enfin presque de retraite, mais en tout cas il lui restait quelques congés à prendre. Voilà, on pense bien à elle. Moi je la remercie pour sa confiance et tout le service qu'elle a pu apporter auprès des élus et auprès de la population belaisane, avec qui elle avait aussi noué pas mal de liens, avec toutes les sollicitations qu'on peut avoir dans un secrétariat de mairie. Donc, pour la remplacer, nous avons Audrey Marchais, qui a intégré notre collectivité il y a quelques mois. Je vais vous laisser, je vais la laisser se présenter à vous. Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Audrey Marchais, je suis arrivée, comme l'a dit monsieur le maire, il y a quelques mois pour remplacer Dominique Bourgeois. J'ai fait des études d'histoire, j'ai un master d'histoire, un master en ingénierie du tourisme et de la culture, et à l'issue de mes études, j'ai travaillé pendant plusieurs années en région parisienne, dans des grandes entreprises françaises, internationales, en tant qu'assistante de direction, assistante de membre de COMEX. Et ensuite, j'ai voulu découvrir un autre pan de mon métier, et j'ai voulu me tourner vers la fonction publique. Donc j'ai intégré la fonction publique hospitalière, et ensuite j'ai trouvé le poste ici à la mairie de Belley, pour pouvoir découvrir le fonctionnement d'une collectivité territoriale, et avoir une autre façon de... Voilà, un autre mode d'application de mon métier d'assistante, en assistant monsieur le maire et Enzo Bondetti. Voilà. Merci. Eh bien, merci Audrey. Donc, bienvenue à vous. Donc, ça fait déjà quelques mois et puis une pleine réussite dans cette mission, dans ce rôle qui est important pour les élus, mais aussi pour les agents. Et aussi, c'est vrai que vous êtes en contact potentiellement avec la population belaisane. Donc, c'était important qu'on puisse vous présenter ce soir. Merci. Merci à vous. Bon retour. Merci. Bonne soirée. Alors, les décisions du maire. Il n'y en a pas beaucoup ce soir. Il y en a deux. Donc, la démolition, construction et création d'un surpresseur à Champaillon. Donc, c'est un emprunt à la Banque Postale pour venir assurer ce chantier. Et on a une deuxième décision. Donc, un emprunt d'un montant de 600 000 euros. Et une deuxième décision, donc c'est pour le marché qui concerne la rénovation et la mise aux normes de la halle Jean Gonnet. Donc c'est une décision sur le lot 3, 4, 11, principalement des menuiseries, serrureries. Voilà, vous retrouverez donc les montants 35 000, 260 000 euros, 30 000 euros. Voilà les décisions du maire de ce soir, qui sont derrière moi, si tout va bien. Formidable. Ça marche bien. Est-ce qu'il y aura des questions en fin de conseil ? Oui, Madame de Menton. Une question sur l'accompagnement des personnels de la médiathèque sur la question du pass sanitaire.
Très bien. Et ensuite, il n'y a qu'une question ? Très bien. Je vous annonce dès maintenant le prochain conseil municipal à bien noter dans vos agendas. Chère Rossine. Le 7 février, le lundi 7 février 2022, à 18h30, pour le débat d'orientation budgétaire. Donc ce sera à l'hôtel de ville, hein, si ça marche toujours. Voilà. Donc le lundi 7 février 2022, à 18h30, pour le débat d'orientation budgétaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant d'attaquer le conseil, je voulais quand même vous donner quelques infos comme d'habitude. Essayez d'être rapide. Le Covid. Évidemment, je sors du conseil d'administration, enfin du conseil de surveillance, excusez-moi, du centre hospitalier Bugey Sud. J'ai vraiment de l'admiration pour ces agents des services hospitaliers, ces médecins, ces aides-soignantes, ces infirmières, enfin tous ceux qui travaillent autour, tous ces professionnels de santé, parce que voilà, on est sur la cinquième vague. Je dirais que ça commence à évidemment les épuiser. Ils ont déclenché le plan blanc a été déclenché au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière, donc mercredi dernier. Je vous rappelle, le plan blanc, ça permet de faire quoi ? Ça permet de déprogrammer certaines opérations, de réorganiser les services et surtout de réquisitionner potentiellement du personnel. Donc aujourd'hui, pour vous faire le topo, on a 25 lits de disponibles en réanimation hein, sur le Métropole Savoie et Albertville-Moutier, donc ça prend aussi en compte Belley. Et on est, c'est 25 lits de réa. Aujourd'hui, il y a 13 Covid sur ces lits. Donc ça rejoint un peu la tendance nationale hein, des 50% en réanimation. Au vu du taux d'incidence hein, qui est de 690, bon, on peut se dire qu'aujourd'hui, la vaccination fonctionne. Parce que s'il n'y avait pas eu la vaccination, on aurait le double de patients, on serait dans un blocage total. Donc 13 Covid, le reste c'est de la réa classique, donc il y a 5 lits disponibles. On est toujours sur le variant Delta hein, aujourd'hui. Et au niveau de Belley, on est assez. Donc on peut quand même se féliciter tous de l'action qu'on a menée sur le centre de vaccination Bugey Sud, Belley-Bugey Sud, qu'on n'a pas arrêté, on a bien fait, puisque la troisième dose est faite et réalisée à Brins désormais, avec une commune voisine qui joue aussi bien le jeu. Puisqu'on a, à Belley très peu de cas Covid, 3 Covid, voilà, mais qui sont en hospitalisation, qui ne sont pas en réanimation. Ils sont plutôt aujourd'hui bousculés, Belley, par une forte activité hospitalière, hein, une saisonnalité liée aux grippes de saison et d'autres activités hospitalières assez fortes. Donc, ils sont en recherche de lits, ce qui est plutôt bon signe pour l'activité hospitalière en elle-même. Hein. Mais pour l'instant, on n'est pas touché par le Covid et on peut s'en réjouir sur le secteur de Belley. Et sur le centre de vaccination, c'est 400 vaccinations par jour sur Brins, donc pour la troisième dose. Comme le dit M. Chambaz avec Mme Vieux, c'est ceux qui sont aujourd'hui en réanimation, c'est deux tiers, hein, aux deux tiers, c'est des personnes non vaccinées. Donc je pense qu'avec ce message, on aura dit beaucoup de choses. Voilà, je voulais au moins leur rendre hommage et puis les saluer et de rester prudent. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a dû annuler de notre côté les vœux du personnel qui étaient prévus le 6 janvier. Donc il n'y aura pas les vœux du personnel et il n'y aura pas les vœux à la population le 14 janvier à nouveau. Ça a été un principe de responsabilité. Il y a beaucoup de communes, je pense, qui vont annuler parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir le plan blanc et puis de l'autre se rassembler. Et puis surtout, évitons de surcharger les hôpitaux aujourd'hui puisqu'ils sont dans une situation tendue.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie Covid. Un autre point qui concerne notre négociation avec le diocèse. Je vous l'avais dit, on a notre site associatif qui est sur les sites de Saint-Anthelme. Donc il y avait une négociation en cours pour renouveler le bail. Donc on est enfin arrivé à une négociation qui n'a pas été simple. Mais l'idée c'était de pouvoir nous donner du champ. Donc on a un bail précaire qui est en cours de rédaction, qui va nous permettre d'avoir encore une année de visibilité. Et en tout cas, notre équipe travaille ardemment pour trouver une solution durable, saine, et qui nous permette d'être totalement sécurisés pour notre site, pour nos associations. Donc là, ça nous laissera au moins un an de répit, et en attendant de trouver une solution plus durable. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le diocèse. Donc on informera évidemment les associations officiellement à partir du moment où on aura le bail précaire qui devrait arriver dans quelques jours. Plaine sportive. Plaine sportive, au niveau de l'exécutif de Belay, on a une idée assez claire de ce qu'on souhaite. Donc il y aura un nouveau comité de pilotage. Moi je suis ennuyé sur le comité de pilotage parce qu'on avait un membre de l'opposition qui était Claudie Rioux. J'invite vraiment l'opposition à nous identifier une personne qui prendrait le relais sur la plaine sportive. Nous donner un nom, parce que c'est des décisions importantes pour Belay. C'est 5 millions d'euros, je le dis assez souvent, qui vont être investis sur cette plaine sportive. J'aimerais bien qu'il y ait un membre de l'opposition qui participe pour comprendre un peu où on veut aller, et puis aussi nous donner vos retours, ça me semble important parce que c'est pas un petit investissement qui est fait aujourd'hui et ça doit se faire voilà en totale collaboration avec l'ensemble des membres du comité de pilotage, que ça soit associatif, partenaire, mais aussi voilà les élus qui doivent être. Donc je sais pas si vous pouvez nous le donner ce soir, peut-être pas, vous nous le donnerez, Charlotte, vous nous le donnerez plus tard. Oui, très bien, parfait. Pardon, non, plus tard. Oui, très bien. Point d'avancement sur les travaux. Donc, je voulais évoquer l'îlot Baudin. L'îlot Baudin, donc, il y a une mise en valeur provisoire des abords de la place Vieille Porte. Donc, avec un trottoir en cours de réalisation côté Grande Rue, hein, donc le long de l'immeuble Semcoda. C'est un quartier qui a, voilà, bon, on a eu ce beau projet Semcoda qui est arrivé. C'est très bien, c'est une grande nouvelle pour Belay. Mais il faut rapidement aménager autour et puis retrouver rapidement aussi de l'électricité parce que le bas de la Grande Rue, avec tous ces travaux et dans le noir, et ça nous gêne beaucoup. Donc le trottoir sera refait côté Grande Rue, donc le long de l'immeuble. Finalisation début janvier des aménagements provisoires sur la rue de la Résistance. Vous savez que cette rue est passée en sens unique, descendant donc de Sainte-Marie vers Baudin, et un couloir piétonnier a été créé côté bâtiment. Donc il reste sur le côté où il y a les arbres, à installer des obstacles interdisant le stationnement, et puis on va implanter également une place pour les personnes en situation de handicap. L'aménagement de l'interface que vous voyez entre la nouvelle place et la place Baudin donc, va faire l'objet de la création d'un merlon végétalisé donc tout le long de la place. Donc le chantier est prévu au mois de janvier et il y aura aussi la recréation de la place handicapée qu'il y avait auparavant. Donc on aménage temporairement pour que ça... Voilà, que ça ressemble à quelque chose, pour éviter que ça soit comme c'est aujourd'hui en état, parce que vous savez très bien qu'on lance une étude globale, hein, chère Marie-Hélène, qui a le dossier en main, donc pour travailler sur la place îlot Baudin, donc qui sera étudiée en 2022, et on a déjà lancé sur le sujet le CAUE, donc c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Ain, qui est missionné sur ce dossier. On a déjà quelques esquisses intéressantes et qui seront évidemment soumis à concertation pour arriver à trouver la meilleure esquisse, le meilleur projet à mettre en place sur cette zone. Il ne faut pas rater parce que c'est une place qui doit être vraiment rénovée, ça doit être une vraie zone de rencontre qui doit aussi connecter avec la Vierona. Donc voilà, hein, toutes les bonnes idées seront les bienvenues pour mettre en évidence le projet Semcoda et aussi profiter de cette place pour
réaménager le bas de la grande rue qui en avait bien besoin. L'avenue Hof. Petit retour sur les travaux de l'avenue Hof. Donc, fin de la partie des travaux sur le revêtement en enrobé qui sera posé cette semaine. C'est bien ça, Dominique. Moi, j'ai le retour des... Pardon ? S'il ne fait pas trop froid. En janvier, il restera la partie des travaux de réseau sur les 100 premiers mètres de la rue de la République. Voilà pour l'avenue Hof. Réservoir de Champaillon, encore un dossier pour Marie-Hélène. Les trois anciens réservoirs ont été supprimés, éliminés. Et pour une reconstruction du nouveau réservoir au premier trimestre 2022. Voilà pour le réservoir Champaillon. Fibre optique. Donc les raccordements du réseau aux armoires de commande Enero, nœud de raccordement optique, touchent à sa fin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et une dernière partie des armoires doit être réceptionnée fin décembre, voilà, avec une mise en commercialisation qui sera possible en mars. Je vous l'ai toujours dit, il y a une livraison qui est faite d'un réseau et il y a un délai à l'ARCEP de 2 mois avant commercialisation. Donc on peut se dire que mars 2022, c'est là où on aura fibré l'ensemble. Il y a encore quelques zones qui sont des cas particuliers qui sont traités directement avec le SIEA sur certains secteurs. Il faut encore patienter, mais on n'est pas loin du but. Et en tout cas, n'hésitez pas, je le redis à nouveau, pour tous les administrés, à vous connecter au réseau du SIEA, le réseau Lien, où il faut faire acte de... Il faut tester votre éligibilité, et ensuite, une fois que c'est fait, alors ça va vous indiquer que vous n'êtes pas éligible pour l'instant, mais le jour où vous êtes éligible, vous serez contacté directement par mail, et puis surtout par les opérateurs qui vont venir taper à la porte. Voilà pour la fibre optique, donc on devrait arriver enfin au résultat sur le mois de mars 2022 avec une commune qui sera totalement sous la fibre, enfin traitée par la fibre optique. Voilà ce que je pouvais vous dire en info du maire. Et puis on va pouvoir passer donc au conseil municipal avec le premier sujet qui est le rapport d'activité de la SEMCODA. Alors, je voulais vous dire quelques mots. Hop. Alors, la SEMCODA, quelques chiffres clés, c'est la première société d'économie mixte de Rhône-Alpes, la troisième de France. SEMCODA, c'est 30 000 logements et c'est 3 milliards d'actifs. Donc ce n'est pas une petite SEM, comme on dit. Rappelez que Belay détient 2,90% d'actions, donc on a une place on est assez privilégié, puisque donc on a la chance de faire partie du conseil d'administration de la SEMCODA. Pour un rappel de ceux qui ne connaissent pas trop la SEMCODA. Au capital de SEMCODA, on a un actionnariat public donc de 65% et un actionnariat privé de 34%. C'est vraiment l'outil pour les communes. C'est un bailleur social. Donc je voulais vous évoquer, alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le rapport d'activité, en quelques mots, puisque moi j'y participe, je suis à tous les conseils d'administration, donc c'est quand même pas mal de, surtout avec tous les déboires qu'il y a eu ces dernières années, de vous dire où on en est. Moi, je voulais souligner le travail de Bernard Perret, de ses directeurs généraux aussi qui l'accompagnent. On a vraiment une équipe aujourd'hui, une vraie équipe de managers qui nous apporte toute la transparence dont on a besoin pour comprendre les enjeux de SEMCODA, pour nous apporter un éclairage très précis sur le pilotage de cette entreprise. Et voilà, je voulais en tout cas saluer le directeur général qui est Bernard Perret, et aussi M. Flochon, qui a repris la présidence derrière Romain Daubier. Ils ont eu beaucoup à travailler, à œuvrer pour vraiment remettre sur les rails cette belle entreprise. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un pacte d'actionnaires. Je voulais vous dire quelques mots sur le pacte d'actionnaires, qui a été signé le 30 juillet 2020 entre le département de l'Ain, Action Logement Immobilier
et Adestia, filiale de CDC Habitat, donc d'une durée de 10 ans renouvelable. Donc il définit les droits et obligations des parties et leurs engagements respectifs. Donc ce pacte a pour objet d'organiser la gouvernance de la société, ce qui était important d'éclaircir, notamment la représentation des parties au sein des organes dirigeants de la société, d'organiser la concertation, la prise de décision au sein des instances et de constituer et d'organiser la stabilité de l'actionnariat de la société. Les trois actionnaires s'engagent à souscrire à une augmentation du capital à hauteur de 79 millions d'euros. À l'issue de cet apport, le département de l'Ain détiendra 32,64% des parts. Action Logement Immobilier et Adestia, 21,45% chacun. Le solde de l'actionnariat restera composé des communes et communautés de communes afin d'avoir des capitaux publics qui vont passer à 51%. J'ai évoqué 63, mais suite au pacte, on vient réduire un peu l'actionnariat public puisqu'on fait rentrer d'autres actionnaires. Donc tout ça, c'est venu conforter l'entreprise. Il y a eu ensuite un point 2 fort, c'est le protocole avec la CG2LS. Donc CG2LS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Caisse de garantie du logement locatif social. Donc afin de contribuer au redressement financier de la société, un protocole de rétablissement des équilibres de la SEMCODA a été signé le 22 juillet 2020 par la CG2LS. L'État, les trois actionnaires du pacte et la société, ce protocole reprend tous les engagements des signataires, y compris ceux de la société, afin de redresser le potentiel financier et l'autofinancement net sur la période 2019-2025. Donc dans ce cadre, la CG2LS s'engage à verser une subvention de 15 millions d'euros étalée jusqu'en 2025 sous condition du respect des engagements des parties. Voilà. Donc il y a aujourd'hui du contrôle. Je pense que clairement, à l'époque, il manquait de contrôle, avec un manager qui décidait seul. Aujourd'hui, les actionnaires ont nommé aussi des représentants au conseil d'administration. Donc il y a beaucoup plus de contrôle, de pilotage. On se retrouve vraiment dans du management d'entreprise, je dirais, classique, normé, et on y voit beaucoup plus clair. Troisième action forte, c'est la vente en bloc d'actifs, parce que le problème, c'était la trésorerie. Donc ils ont vendu des actifs. Donc la restructuration de la société engagée depuis 2 ans a conduit à la vente d'actifs en bloc pour redresser les fonds propres et à l'amorce du désengagement de la SEMCODA sur certains territoires. C'est vrai qu'ils s'étaient engagés, curieusement, avec des stratégies un peu particulières, d'aller dans des départements où on avait, à mon sens, pas grand-chose à y faire. Et l'idée, c'est de se désengager pour se reconcentrer sur le bon périmètre et le bon savoir-faire. Donc au cours de l'exercice, 450 logements du patrimoine ont été cédés en bloc à un bailleur social. Cette vente a dégagé un produit de cession de 63 millions d'euros. La sortie de ces actifs a permis de dégager une plus-value de cession de 46 millions d'euros. Le désengagement du territoire du Sud-Isère a été amorcé en fin d'exercice et doit se poursuivre sur 2021. À la clôture, 51 logements sur les 1088 prévus ont été cédés à un bailleur local. La vente a été réalisée à la valeur nette comptable des actifs et n'a pas dégagé de plus-value. Voilà, il y a aussi les raménagements de la dette. Je ne vais pas trop rentrer encore dans le détail. Donc, raménagement de la dette avec une grosse négociation auprès des banques pour justement étaler la dette de la SEMCODA. Tout ça permet, évidemment, entre le pacte, le protocole avec le CG2LS et la vente en bloc, permet un redressement de la trésorerie et de retrouver un peu d'air et surtout retrouver progressivement une performance économique qui n'est pas encore aboutie, évidemment, mais la courbe va dans le bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Belay, qui était rattaché à Bourgoin, va passer maintenant sur l'agence d'Oyonnax, pour la petite information. Et pour finir, SEMCODA, c'est plusieurs métiers. Un, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est des marques aussi avec Prélia. Prélia, c'est une marque sur les opérations d'aménagement et de lotissement ou de zones d'activité, donc de zones d'activité concertées. Donc c'est bien, parce qu'on a une belle présentation dernièrement de tous les métiers de la SEMCODA, ce qui va nous donner aussi pas mal d'idées pour Belay. Apricot, c'est la promotion immobilière. Carré Pro, c'est la commercialisation. Donc vente ou location de logements, et ils ont aussi la marque Ellipse pour le syndic. Vous voyez, c'est quand même une belle,
une belle entreprise et on peut le voir aussi avec ce qui a été fait à Belley, c'est quand même une belle opération. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les rapports d'activité de Semcoda. Est-ce qu'il y a des remarques? Parce que j'en fais un peu débat parce qu'il y a eu quand même des années difficiles où il y a eu beaucoup de questions sur la pérennité de Semcoda. En tout cas, je peux aujourd'hui vous rassurer. Simplement le départ de le changement d'agence Oyonna à Belley, on sait quand même que c'est assez loin. Bourgoin aussi, hein, c'était Bourgoin. Oui, Bourgoin, peut-être un petit peu moins, mais bon. Non, la question, c'est une question pour moi de savoir quelle est l'implantation locale que la Semcoda a sur la ville, puisqu'elle a quand même un patrimoine assez important. Est-ce qu'il y a une agence décentralisée? Il y a Noémie Bougaba qui est là, qui représente Semcoda sur le territoire. D'accord. J'aimerais évidemment avoir, parce qu'une agence, c'est vraiment, là on est sur, c'est un autre service qui est apporté. Enfin, c'est à un moment, c'est des implantations dans l'Ain. Voilà, ils ont identifié Oyonna parce que voilà, ça. Alors je ne sais pas combien ils sont au niveau des agences, mais ils sont quand même assez, ils sont assez nombreux. Là après, ils ont des représentations locales comme. Noémie qui s'occupe de tous les logements Semcoda au niveau de Belley. J'aimerais un jour voir arriver une agence à Belley, mais ils avaient ça en projet. Mais c'est pas. Tout n'est pas. La discussion est en cours. Mais ça ne change pas, je dirais, le niveau de service actuel, qui est toujours au niveau, puisqu'on a une représentation locale. Est-ce qu'il y a une question sur Semcoda? Oui, Charlotte. Un enjeu. Très secondaire, il y a une coquille où ils mettent que Madame Karen Tardy sera administratrice jusqu'en 2026. Oui. Eh bien, on va le noter. Merci. On retourne jeudi, donc comme ça, on pourra l'évoquer. S'il n'y a pas de questions pour Semcoda, c'est tout bon? Parfait. Eh bien, on va passer à la maison France Service. Donc, création d'une maison France Service. Donc, on avait été interpellé par la communauté de communes qui porte ce projet. C'est très bien. Donc, ils ont identifié Belley comme, je dirais, un site intéressant pour développer la maison France Service. Maison France Service, qu'est-ce que c'est? C'est la présence sur un lieu de 9 opérateurs clés que sont Pôle emploi, la Caisse nationale d'assurance maladie, la MSA, la CAF, la DGFIP, le ministère de la Justice, le CNAV également. Donc c'est vraiment des opérateurs clés qui vont, ce qui permet à la population d'arriver sur un guichet unique au final. Un guichet unique, on aura aussi la cabine de téléconsultation qui sera aussi présente sur le site. Il y aura le transport à la demande qui sera sur ce lieu. Donc le lieu qu'on a identifié, c'est l'ancien jardin, le jardin d'enfants, à côté du centre social, si vous voyez où. Hein. Donc à côté du centre social, on aura aussi la présence de la mission locale. L'idée, c'est que les gens viennent ici et on arrive à répondre à toutes leurs questions et qu'ils soient guidés auprès de tous ces organismes qui sont nombreux, vous voyez tout ce que j'ai pu citer, et viendra aussi se greffer d'autres organismes, d'autres opérateurs qui trouveront en tout cas pertinent d'être présents ici pour un premier filtre, au lieu que la personne fasse le tour de la ville ou pour certains des fois soit obligé d'aller à Bourg, et bien comme ça ils peuvent directement à Belley, à côté du centre social, s'adresser pour être guidé et orienté. Je vais laisser un petit mot à Sylvie Schreiber qui a porté ce projet au niveau de l'Interco, vous dire qu'en tout cas, ça sera une mise à disposition gratuite par la ville de Belley pour la communauté de communes. La communauté de communes va investir dans ses locaux pour réaménager et puis l'adapter pour ce projet. Et puis, ils payeront les charges aussi, électricité, chauffage. Mais sinon, ils ne payeront pas de location pour 2 ans, en tout cas, avec cette première convention qui vous est mise à validation ce soir. Sylvie.
Donc, je voulais simplement préciser que les élus de la communauté de communes avaient choisi de faire qu'il y ait une maison France-Service multisite, c'est-à-dire un site principal à Belley et des sites secondaires, un sur le nord du territoire à Champagne-en-Valromey et un à Grolet-Saint-Benoît. L'idée, c'est quand même aussi de lutter contre la fracture numérique et puis d'aider du coup les habitants dans leurs démarches administratives. Pour ce faire, il faut que les locaux répondent à un cahier des charges pour avoir la labellisation de l'État. Effectivement, sur ce local de centre-ville, à proximité du centre social, bien identifié par les habitants, avec aussi les écrivains publics et les permanences du CCAS, ça nous paraissait pertinent pour pouvoir répondre aux demandes des habitants et vraiment être sur un guichet unique et faciliter justement le lien avec les opérateurs, avec aussi la possibilité d'associer des partenaires. On parle d'associations, on parle du département aussi au niveau social avec l'accueil inconditionnel. Des associations locales aussi. Le but est vraiment de renseigner les habitants et de les aider dans leur démarche. Pour la labellisation, ça implique deux agents d'accueil toujours en même temps. Et puis, elle sera ouverte à Belley, donc 6 demi-journées par semaine. Une demi-journée à Grolet-Saint-Benoît, une demi-journée à Champagne. Là, aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que demain, il y aura d'autres pôles sur le territoire. Que dire de plus? Je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions. Pour la labellisation, effectivement, il faut des travaux, il faut un espace d'accueil, il faut un espace de confidentialité où les gens peuvent être reçus par l'agent de manière à être dans un espace confidentiel, effectivement. Et puis, pouvoir faire des visios avec les opérateurs parce que beaucoup de rendez-vous se font en visio. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura aussi un espace numérique en libre service. Et puis, dans ce pôle, la cabine de téléconsultation. Et aussi, ce sera le siège des conseillers numériques. Donc, il y a une véritable cohérence au niveau numérique et d'aide à la population sur ce pôle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Je voulais savoir si les finances sont prévues, les finances publiques. Oui, dans les opérateurs, oui, bien sûr. Ok, parce que ce que DGFiP, ouais. Je voulais dire que à plusieurs reprises, moi j'ai eu un petit personnel, mais à d'autres titres, des demandes de rendez-vous au service des finances qui m'ont été refusées parce qu'il y a apparemment trop de rendez-vous. Alors, cette vigilance, je crois qu'il faut, les maisons France Service, elles ont sans doute un intérêt pour effectivement mettre au plus près guichet unique. Simplement, il faut qu'on soit vigilant à ce que ce ne soit pas un élément qui fasse partir tous les services publics que nous avons. Voilà, simplement ma préoccupation que je vous demande de partager. Non, mais bien sûr, ouais. L'idée, c'est pas de faire partir les services de toute façon. Ouais, c'est vraiment d'aider les habitants. Aujourd'hui, on est sur du tout numérique. Effectivement, c'est compliqué de monter des dossiers, ne serait-ce que créer un compte, faire une pré-demande pour une carte d'identité, pour un passeport. Enfin, voilà, il y a quand même besoin d'un coup de main. C'est aussi le rôle de la maison France Service, et du coup les opérateurs sont formés par les 9 opérateurs nationaux. Ils ont une formation sur leur plateforme, et du coup ça permet aussi de lever certains blocages. Voilà, ça permet pas d'accélérer les dossiers pour autant, mais au moins de connaître ce qui peut bloquer sur certains dossiers qui n'avancent pas. C'est surtout apporter de la simplification pour les gens, puisque là, on a enfin, je vais dans un lieu et je suis orienté vers le bon service. Ce qui me surprend, moi, surtout, c'est tous ces services, tous ces opérateurs qu'on n'a pas encore engagé véritablement, le choc de simplification. Donc ça vient quand même, quelque part, apporter un réel service à la population pour un moment être guidé au milieu de ce monde un peu tentaculaire de tous ces opérateurs qui, des fois, malheureusement, ne se parlent pas assez. Comme ça, ils pourront se parler. Ça ira peut-être aussi, ça permettra certaines synergies, et il y en a bien besoin.
Alors, est-ce qu'au niveau... Oui, tu voulais rajouter ? Oui, je voulais rajouter à M. Mérand, dire les gens, ils n'arrivent pas à avoir leur rendez-vous, hein, quoi qu'il en soit. Maintenant, ça se fait aussi par mail pour avoir des réponses, même au niveau des finances publiques. Hein, ça se fait beaucoup par mail, toutes les réponses, je sais pas si... Et là, du coup, ça permettra effectivement aux habitants d'être plus facilement, d'avoir plus facilement des réponses. Parfait. J'espère. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la Maison France Service et notamment la convention avec une mise à disposition ? Voilà, bon, c'est... On a essayé de faciliter la vie à la communauté de communes qui avait identifié la ville. Donc on les accompagne pendant 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, on verra comment ça tourne, si ça marche bien, si c'est pérennisé ou pas. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur la convention ? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Voté à l'unanimité. Merci. Et on va pouvoir mettre ça en place. Donc les travaux vont pouvoir commencer surtout. Bon, vont pouvoir commencer et l'ouverture est prévue le 1er février. 1er février, ouverture de la Maison France Service à Belay, à côté du centre social. Merci Sylvie. Donc c'est toi qui prends la parole puisque tu vas nous parler des projets scolaires. Donc... Pour refaire un petit retour, fin de printemps, début d'été, juste avant les vacances scolaires, on avait rencontré les directrices des établissements scolaires pour faire un petit peu le point sur l'année et puis les difficultés qui avaient pu se présenter par rapport à la crise Covid. Hein. Et effectivement, il n'y avait pas eu de projet d'école. Ça faisait 2 ans, c'était compliqué. Du coup, on a lancé aux directrices, elles ont dit « Allez-y, faites-nous des projets et puis on vous accompagnera. » Donc, on a eu un retour dès le mois de fin septembre, début octobre, de quatre classes de Jean Ferrat, sur l'école Jean Ferrat. On n'a pas eu d'autres demandes. Donc, on a décidé de les accompagner de façon significative. Hein, c'est une somme importante. Donc, on a un projet d'art et d'histoire qu'on va accompagner à hauteur de 2 150 €. On a aussi un projet de ski et randonnée pour découvrir aussi le territoire et le patrimoine local. Donc, on va accompagner à hauteur de 2 420 €. Une classe en dehors, c'est apprendre à les enseignants qui ont ce projet, c'était apprendre voir avec les élèves qu'on pouvait très bien apprendre des tas de choses sans aller bien loin. Hein. Ça peut être dans la ville. Voilà, c'est des déplacements qui sont à différents endroits de la ville, autour de l'école, et puis un petit peu plus loin, autour de Rotonne, par exemple. Donc on accompagne à hauteur de 440 €. Et l'histoire de la ville. Donc c'est aussi avec une intervenante, faire des croquis, faire un carnet de voyage et des panneaux d'exposition. Donc on va accompagner à hauteur de 810 €. Voilà, donc ce qui fait... Voilà, en tout, c'est 196 élèves qui sont accompagnés et je crois une dizaine de classes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Non ? Oui ? Moi, je pense qu'on peut apprécier l'intervention de la ville sur les projets d'école, parce qu'effectivement, on est bien là dans l'appui aux apprentissages des enfants et le fait que Jean Ferrat soit effectivement moteur. On peut apprécier que les enseignants de Jean Ferrat... fasse des choses comme ça. Je profite simplement de ce rapport pour, puisque je suis des DEN, pour parler au niveau des règlements intérieurs, des masques, de la fourniture des masques sur certains règlements intérieurs. J'ai vu qu'on demande aux parents de fournir les masques et d'après ce que je sais de directeur d'école, il y a quand même un certain nombre de familles qui ont des grosses difficultés à assumer ça. Donc, je voulais simplement vous en parler pour voir si la ville peut, elle le fait peut-être déjà, ou aider à ça, parce qu'on nous a dit que l'inspection académique avait une dotation très faible de masques. Voilà. Alors, on n'a pas eu de retour dans ce sens-là, M. Mérand. Hein, et effectivement, si on avait un retour, voilà, pour l'instant... On
n'a pas eu de retour dans ce sens-là. Bien, merci de souligner en tout cas, M. Mérand, cette action qui est menée par Sylvie, avec voilà, une très bonne relation avec les directrices des écoles. Là, c'est Jean Ferrat qui a répondu, mais il y a d'autres écoles qui peuvent répondre, qui peut-être n'étaient pas au même niveau de maturité des projets, mais en tout cas, on sera toujours présent. Je pense qu'on joue notre rôle au niveau de la ville de soutenir ces professeurs qui travaillent dans une situation, comme on la connaît, assez complexe. Donc, il faut les encourager. Et là, je pense qu'il faut y aller et ils nous trouvent sur leur route et tant mieux. Et je pense que c'est lié aussi à toute la relation que tu as su tisser, Sylvie, avec aussi Nathalie Gruselin et l'ensemble des élus. Donc voilà ce qui est soumis au vote. Est-ce qu'il y a des remarques, des oppositions, des abstentions? Merci pour ces projets votés à l'unanimité. Merci Sylvie. Monsieur Richard Benistan, Richard, pour tous ces points à l'ordre du jour sur le budget. À toi. Oui, merci. Je ne sais pas si je suis là. Ça fonctionne ? Oui, à peu près ? Je ne m'entends pas, mais bon. Donc, les tarifs communaux, pour commencer, effectivement, les tarifs 2022 de la commune. Alors. Je rappelle juste, avant de commencer, l'an dernier, à cette époque, on avait souhaité ne faire aucune augmentation par rapport à 2020. Et donc cette année, pour 2022, il y a quelques modifications qu'on va voir ce soir, qui sont limitées hein, du reste. On propose au niveau de la finance de modifier, de réviser les tarifs des concessions du cimetière, la redevance annuelle des emplacements de taxi, des cartes d'abonnement de stationnement payant, dans des proportions qui sont... sommes toutes limitées. On propose la création d'un tarif aussi pour les terrasses fermées et les étalages sur des rues fermées à la circulation, notamment pendant les périodes de marché. Voilà. Donc, un certain nombre de tarifs que vous avez sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là ? Des précisions ? Que l'on pourrait apporter. Bon, alors écoutez, est-ce qu'il y a donc, on va passer au vote, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, donc validées, votées à l'unanimité, merci. Deuxième délibération pour la finance, ce sont les locations de salles. Donc, les locations de salles, alors. Là aussi, peut-être, vous avez pris connaissance des documents qui ont été transmis, peut-être de rappeler deux, trois choses. Là aussi, on n'avait pas fait d'augmentation l'année dernière. Bon, le pôle culture, de toute façon, est évidemment très impacté par une faible participation à un certain nombre d'événements et à un certain nombre d'annulations d'événements par ailleurs. Donc on n'avait pas augmenté les tarifs l'année dernière, et on avait par contre souhaité revoir la grille tarifaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait dit il y a un an qu'on souhaitait revoir les tarifs de location des salles, et on a demandé aux directrices des pôles culture et finances de le faire, notamment en vue de les simplifier ou de les rendre tout au moins plus lisibles. Et aussi de rendre plus lisibles les prestations techniques, c'est-à-dire d'essayer de dissocier la partie location pure de la salle, de la partie technique, tout le support technique qui vient à chaque fois qu'on loue une salle. Donc c'est ce qui a été fait. Cette grille est plus lisible et elle va nous permettre aussi de remplir un objectif qui a été assigné, mais avec le Covid, ça ne facilite pas les choses, qui était de dire que cette salle de l'intégrale, notamment, devait être proposée aux entreprises, aux associations, de manière beaucoup plus large, beaucoup plus intensément, pour qu'on arrive à utiliser au mieux cet équipement. Donc, pour remplir l'ensemble de ces objectifs, on vous propose cette nouvelle grille. Vous verrez que les augmentations sont somme toute assez limitées. Chaque fois sur ces grilles, vous avez remarqué que selon la durée, plus la durée de location augmente, et plus les tarifs sont de manière relative, plus faibles. Dégressif, merci, je cherchais le terme. Merci. Ils sont donc dégressifs dans ce cas-là. Voilà, mais est-ce que là aussi il y a des questions? Est-ce que vous voulez des éclairages particuliers? Oui,
Juste une remarque que j'avais faite il y a pile un an sur le même sujet. Pour moi, ce serait plus intéressant de mettre en perspective les tarifs avec les taux d'occupation, ce que vous avez commencé à mettre, pour savoir en fait comment on détermine les tarifs par rapport à la politique associative et culturelle choisie. Par rapport aux taux d'occupation, c'est-à-dire vous donner de l'information sur les taux d'occupation de chacune des salles en vue de travailler différemment le tarif, c'est ça ? Savoir si les tarifs... Micro. Savoir si, en quoi les tarifs sont pertinents par rapport au taux d'occupation des salles. Est-ce que le tarif est un frein ou pas ? Ou est-ce que c'est une question plus générale ? D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, enfin, Annie, je vais te laisser répondre parce que tu as travaillé avec les directrices sur le sujet, mais ce qui serait effectivement bien à ce moment-là, c'est que lors de la fin de l'année, quand on retravaillera les tarifs, on puisse en parler en commission et que ce sujet soit soulevé. Mais Annie, je vais te laisser peut-être répondre puisque tu as... Oui. Le calcul du prix de location est fait en fonction d'un certain nombre de paramètres. Il faut tenir compte du personnel qui doit être présent, des heures de ménage, de la technique qui est mise en place. Voilà, tout ça constitue un prix de salle. Voilà, je voudrais dire, par exemple, pour les associations, les associations qui souhaitent louer des salles, soit la salle des fêtes, soit l'intégrale, soit etc., ont droit à une occupation, une utilisation gratuite une fois par an. C'est très rare qu'elles utilisent deux fois. Donc c'est vrai que pour les associations, c'est certainement pas un frein. Maintenant, quand on compare le prix des locations de nos structures avec d'autres structures ailleurs, on n'est vraiment pas cher. Je veux dire, on fait partie des choses tout à fait accessibles. On a voulu surtout détailler, enfin faire un petit peu du sur-mesure pour que chacun y trouve, au lieu de faire des forfaits systématiques, mais que voilà, si quelqu'un a besoin d'un podium ou d'un micro ou d'un etc., que ce soit adapté, que le devis qu'on va lui proposer soit vraiment conforme à ses besoins. Voilà, donc on a bien travaillé la chose et puis on a simplifié et voilà, et c'est plus accessible à tout le monde et assez pertinent. Maintenant, il faut que les salles se remplissent et que la situation s'améliore et pour que qu'on arrive à avoir quelques recettes parce que si maintenant, pour l'instant, c'est difficile. Je crois qu'effectivement, en conclusion, peut-être que le taux de remplissage n'était pas le premier sujet depuis 24 mois. Ça pourrait le devenir et en tout cas, on peut retenir la piste de réflexion si d'aventure ça revient vite. Je dis bien vite, ça reviendra, mais peut-être pas si vite qu'on ne le croyait. Bien, donc est-ce qu'on peut passer au vote sur cette grille du pôle culture ? Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Les DM maintenant. Modification. Si, parce qu'il a voté le pôle. Il a voté le pôle culture complet. Oui. On a voté l'ensemble. T'avais intégré la médiathèque aussi. Travail communaux, c'est fait. Pôle culture, c'est bon. Donc on arrive à la médiathèque. Non, tu voulais. Non, t'as mis le pôle culture. La médiathèque, c'est fait. Ouais. Non, pour moi, la médiathèque, c'est fait. C'est fait, ouais. C'est bon. C'est bon. Et pas de retour sur la médiathèque, non. C'était bon. Non, très bien. C'est voté. On passe au DM. Au DM. Donc décision modificative. Alors moi, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'opposition à cela, c'est qu'on les regarde globalement et on les vote à la fin, comme on le. Oui. Propose chaque fois pour la commune et les différents budgets annexes. Alors, pour la commune, à l'écran, vous avez la commune. Donc, on est, vous savez, dans un cycle d'apurement d'un certain nombre d'écritures qui étaient restées en suspens ces dernières années, qui n'avaient pas été toujours rapprochées comme elles auraient dû l'être avec la trésorerie. Et donc, ça nous amène sur 2021 à régulariser pas mal de choses. En électricité et énergie, 43 800 euros, donc des suppléments de dépenses qu'il faut passer, qui datent des années 2011-2017, et qui font donc l'objet d'une régularisation. De la même manière, des intérêts financiers, sur des financements de 2009 à 2014, 9 153 euros sur les dépenses. Donc fort heureusement, on a une augmentation importante avec le marché de l'immobilier qui se porte très bien cette année, et en volume et en prix, qui nous permet d'avoir... accès à des taxes additionnelles,
qui nous permet d'équilibrer cette délibération, sachant qu'on en aura même plus que cela à la fin de l'année dans le CA. Sur les investissements, on diminue un investissement sur la balayeuse, 110 000 euros, qui ne sera pas fait cette année. On sait qu'on a changé le tracteur et les pareuses cette année. On pensait faire la balayeuse, pour l'instant, on diffère. Et on verra pour 2022. Ensuite, on a une régule sur la bulle d'éveil, où on a un complément pour terminer les travaux, sur des suppléments de travaux. Et donc, on se propose de minorer un poste de 118 en augmentant sur la bulle d'éveil une somme de 33 000 euros à due concurrence. Voilà, et les recettes d'investissement, donc on se retrouve aussi sur une régule d'augmentation de 106 000 euros 585 en diminution de recettes. Alors ça, c'est quelque chose dont on a parlé, je crois, lors du précédent conseil municipal. Ce sont des travaux supplémentaires qui avaient été réclamés par la mairie concernant la rue Saint-Martin. Et ces compléments de travaux n'avaient pas été fléchés comme étant à la charge de Belay. Et effectivement, quand il y a eu le compte-rendu final des travaux, il est remonté qu'effectivement, c'était bien la ville qui devait prendre en charge. Il y avait notamment, je pense, l'enrobé un petit peu granuleux là qu'on a sur cet aménagement qui était bien à la charge de la commune. Donc c'est cette diminution de recettes d'investissement que vous avez là. Voilà pour la commune. Ensuite, si vous en êtes d'accord, on passe à la régie de l'eau. Donc là, il y a 16 421 euros de régules qui sont en fait des régules sur des retenues de garantie qui n'ont pas été traitées en leur temps. Ensuite, l'assainissement, ce sont à nouveau des régules de charges d'intérêt financiers qui n'ont pas été mandatées entre 2009 et 2018, qu'il faut donc régulariser, 5 912 euros. Et enfin, sur le réseau chaleur-bois, une dernière qui a été ajoutée, hein, qui n'était pas forcément dans l'envoi l'autre jour, mais qu'on passe sur ce conseil, si vous en êtes d'accord, 16 556 euros, qui sont une régule de recettes rattachées 2015 à 2018 qu'il faut annuler, qui n'ont pas été annulées en leur temps. Voilà. Voilà l'ensemble des DM que l'on vous propose de voter ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Questions, remarques sur les DM, les fameuses écritures comptables, que M. Cheva connaît bien. Autrefois. Ah ben... Pas si vieux, monsieur Cheval. Pas si vieux. Ouais. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Très bien. C'est voté, merci. Ensuite, j'essaye de suivre à l'écran en même temps. Alors, ensuite, on a. Voilà, les engagements qui sont donnés au maire chaque fin d'année. Vous savez qu'on votera le budget. Au mois de mars. Donc, en attendant, on propose. Comme l'an dernier, de donner mandat au maire pour engager, liquider un certain nombre de dépenses d'investissement que je pense, dont vous avez pris connaissance. En fait, on engage 25% de la somme de l'an dernier et on s'assure qu'effectivement, ça rentre dans l'enveloppe qui est prévue de dépenses à engager justement d'ici le vote du budget à la fin du premier trimestre prochain. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces. Là aussi, peut-être ces trois mandats qui s'enchaînent les uns derrière les autres. C'est la même logique pour la culture, pour la régie de l'eau, l'assainissement, le budget pour le culture. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote, là aussi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc je vous remercie. C'est adopté pour ces... Pour toute délibération, ouais. Pour l'ensemble. Dernier sujet, c'est un sujet qui a fait couler l'encre dans la presse, pas pour Belay, mais je crois que vous avez vu des villes comme Marseille et Paris qui ont fait un peu la une des journaux. Bon, on arrive sur le sujet des 1607 heures. Alors, en réalité, on va reprendre la délibération, mais peut-être refaire une petite prise de hauteur, en fait, sur ce sujet. Dans le cadre du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, il nous avait été demandé sur la partie ressources humaines de se conformer à la règle des 1607 heures annuelles. On vous a mis le calcul, comment on aboutit à 1607 heures à chaque année. Ça, c'est dans le cadre de la durée légale à 35 heures. Et le rapport avait conclu en disant qu'il fallait se conformer avant le 1er janvier 2022 à cette règle. Et on s'était engagé avec monsieur le maire dans une réponse écrite, Dimitri, en novembre 2020,
On avait indiqué que concernant la durée du temps de travail, nous prenons acte de votre demande et de nous conformer à la durée légale. Cette décision ne sera pas neutre en termes de négociation avec les agents et leurs représentants, mais nous engagerons la démarche de régularisation. Voilà ce que nous avions écrit. Et donc, il s'agissait effectivement de se pencher sur ce sujet en début d'année. Et on arrive aujourd'hui à l'épilogue. Alors, vous avez vu un certain nombre d'éléments dans cette présentation de délibération. Je dirais au-delà des calculs, c'est vrai qu'on on a cherché à faire quelque chose avec les responsables des services qui soit le plus largement partagé, qui fasse l'objet d'une concertation. Parce qu'il s'agit d'une sixième semaine qui avait été octroyée dans le temps par différents maires antérieurs, soit des journées complémentaires, soit des jours de fractionnement qui avaient été plus ou moins donnés d'office, enfin, etc. Je passe les détails, mais en tout cas, il y avait en gros une sixième semaine de congé à Belley. Mais franchement, il y a beaucoup d'autres villes concernées. Et l'idée, c'était de pouvoir échanger avec les services et d'aboutir à une solution qui soit concertée et qui soit conforme à cette demande. Alors, le travail était mené pour l'essentiel par le directeur général des services, accompagné de la directrice des ressources humaines. Et on salue leur travail parce que le résultat obtenu a effectivement été obtenu dans le cadre d'une concertation qui a été large, qui a été menée sereinement durant l'année. Je salue aussi le relayage auprès de la part des membres élus qui représentent le personnel, parce qu'eux-mêmes ont fait leur partie du travail, c'est-à-dire venir auprès des équipes pour expliquer cette injonction légale et expliquer comment les élus envisageaient, avec les responsables de service, d'optimiser, entre guillemets, et de donner du sens à cette sixième semaine qui allait disparaître. Alors le planning suivi, peut-être pour vous donner un éclairage, il a été le suivant dans les très grandes lignes. En février, on a cadré, monsieur le maire et moi-même, avec les directrices RH et Enzo Bondetti, on a cadré les grandes lignes de ce qu'on souhaitait dans ces mesures. Qu'est-ce que nous souhaitions ? De re-questionner plus largement les horaires dans chaque service pour voir comment on pouvait les rendre plus pertinents au-delà de cette sixième semaine. Permettre d'améliorer le service public quand c'était donc possible et nécessaire et optimiser le fonctionnement des services en termes d'offres aux habitants. On parlait aussi d'améliorer la gestion de l'activité des agents et peut-être parfois de limiter les heures supplémentaires en concentrant le travail sur certains moments, en récupérant ces heures pour les consacrer à ce temps de travail. Donc mi-mars 2021, les rencontres ont démarré entre les membres représentants élus du personnel, les membres du CODIR. Le 25 mars, une note a été envoyée à l'ensemble des agents. En mai-juin, il y a eu un certain nombre d'échanges avec des séances de travail entre les représentants du personnel, les agents. Et parallèlement, le service RH a travaillé avec les responsables de chaque service pour identifier les pistes d'organisation. En septembre, il y a eu une information complète des adjoints sur l'avancée de ces discussions, qui nous a permis donc de valider les étapes de travail qui avaient été franchies et les pistes qui se dessinaient, de vérifier que ça correspondait à ce qu'on avait demandé dans la feuille de route au mois de février. Retour vers le CODIR fin septembre. Et octobre et novembre, affinage et arrêt des solutions qui ont été présentées à l'ensemble du personnel, validation fin novembre. Donc voilà. Donc ça a été un travail important de l'année. Donc merci encore une fois au DGS, Enzo, Bondetti, et merci à Christelle Nardini, ressources humaines, d'avoir mené tout cela sans que cela crée des remous. Et je reviens à cette fameuse introduction où je dis qu'on voit qu'à Marseille, c'est pas simple, on voit qu'à Hidalgo, à Paris, c'est pas simple, on voit les éboueurs qui refont à nouveau grève ces jours-ci à Marseille, à cause de ça notamment, pas que, mais à cause de ça. Mais effectivement, l'État qui force à travers ses chambres régionales en disant non, mais il y a un texte et il faudra l'appliquer. Voilà, donc à Belley, on sort, je dirais, avec une solution qui correspond le mieux à la situation et aux besoins. Voilà ce que l'on vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des questions avant sur ce sujet ? Oui. Monsieur Méran. Oui, j'ai entendu de votre part qu'il y avait une sixième semaine de congé qui avait été accordée et que c'était cette semaine-là qui posait problème. Alors, ça, j'ai bien compris. Non, c'est l'équivalent du nombre de jours qui avait été octroyé par les mandatures précédentes constituait la sixième semaine dite de congé payé en plus à Belley, sachant que normalement vous avez droit à cinq semaines de congé quand vous êtes aux 35 heures en France. C'est ça qui était remis en cause par le rapport.
D'accord. Et alors, comment vous l'avez... je regardais votre tableau. Quelles sont les conséquences pratiques de cette sixième semaine pour les agents, en plus ? Pour les agents, oui. Alors on avait dressé, si vous voulez, deux pistes. D'abord, le travail, de manière sur le principe, le travail a été de dire, ce sera avec chaque service qu'on verra la pertinence des choses. Donc il y a des services qui ont dit, très clairement, très bien, bon, une semaine qui saute, on sait qu'on travaille une semaine de plus, bah, très bien, c'est comme ça. D'autres ont dit, bah, tiens, ce serait intéressant de récupérer ces 35 heures, éventuellement de se concentrer sur un moment de l'année, où à ce moment-là, on va peut-être accentuer nos horaires de la semaine pour utiliser ces 35 heures, voire même dépasser l'utilisation de ces 35 heures, et donc nous créer éventuellement de la récupération. Avec M. Blanc, on avait dit que c'est une porte qui est ouverte dans la discussion. On n'est pas contre le fait que, éventuellement, donc je prends un exemple pratique, les gens disent, ben nous, on sait qu'on a du retard sur telle séquence de travail à tel moment de l'année, c'est plutôt 50 heures qu'il faudrait mettre en action par agent dans ce service. Et à ce moment-là, ils ont non seulement travaillé leurs 35 heures de plus, mais en plus, ils ont constitué une espèce de différence pour aller de 35 à 50, de 15 heures, mettons deux journées de travail, qui sont donc constitutives d'un compteur de repos qu'ils prennent. Donc ils n'ont plus une sixième semaine, mais en tout cas, ils ont deux jours de repos complémentaires de RTT. À prendre, voilà. Voilà comment on a travaillé de manière très, très prosaïque, et encore une fois, service par service. Et même au sein de certains gros services, il y en a une partie qui fonctionne d'une certaine manière et une partie d'une autre. Ça a été l'occasion, comme je vous le disais, aussi de revoir certains horaires. Certains ont souhaité avoir des journées un petit peu décalées à certains moments de l'année, démarrer plus tôt, voire faire une journée continue pour certains. Voilà, tout ça a été revu au cas par cas. C'est dans cet esprit-là que ça s'est passé. C'est merde. Question. Oui, pardon. Micro, pardon. Oui. C'est une question délicate pour le personnel, parce qu'effectivement, on valorise d'autant plus l'action des personnels communaux pendant la pandémie, pendant les périodes difficiles. Et lorsqu'on vient expliquer que bon, il y a une semaine de trop, j'imagine quand même que ça doit être difficile. Donc on peut apprécier les efforts que vous avez pu faire pour améliorer le cadre de travail de ces personnels. Je pense que c'est comme ça qu'ils le vivent, en tout cas je l'espère. En tout cas, on s'est vraiment attaché. Alors, parce que vous voyez la situation, hein, on est quand même une génération d'élus, on vient corriger, on vient réparer ce qui a pu se faire dans le passé qui n'était pas conforme. Hein, donc c'est pas facile de... On a une injonction de la Chambre régionale des comptes qui nous dit que vous n'êtes pas dans les clous. Donc à un moment, c'est ce qu'on a donné pour, comme mission, en tout cas, à Enzo Bondetti et Christelle Nardini, c'est de vraiment de rentrer dans un dialogue très constructif pardon, et concerté avec les représentants du personnel qui ont été associés à chaque étape du processus pour arriver mettre aussi un peu de souplesse à tout ça, donc d'où la 36e heure pour certains services, donc ils font une heure de plus, ça se transforme en RTT pour essayer de compenser la semaine qui perdent, mais c'est sûr que c'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais il fallait le faire parce qu'on est des élus responsables et ils l'ont bien compris, ils l'ont bien entendu, donc voilà ce qui est soumis ce soir au vote pour pouvoir rentrer dans les clous et venir régulariser ce qui était non conforme. Est-ce qu'il y a d'autres Et illégal, oui, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou précisions que vous souhaitez ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Alors, votons. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Merci pour votre unanimité sur ce sujet sensible. Richard a terminé, merci. Et nous allons passer avec la fixation du prix de vente des garages et emplacement de parking, donc sous l'îlot Baudin, avec Virginie Berthelon, vice-présidente de la commission finances et ressources humaines. Bonsoir, donc je vais commencer par une première délibération, donc comme l'a évoqué Monsieur le maire, sur la fixation donc, du prix de vente des garages et emplacements, donc des parkings qui sont situés sous les sous-sols de l'îlot Baudin, donc la ville de Belay loue actuellement des garages. Il y a 14 garages et 10 emplacements de parkings qui sont situés dans les sous-sols de l'îlot Baudin.
Cette présente délibération donc annule et remplace celle du 2 mars 2020 qui fixait donc un prix de vente à 11 000 euros pour les garages et à 8 000 euros hors taxes donc pour les emplacements de parking. Donc après avis des domaines qu'on a donc concerté en date du 8 novembre 2021, donc on propose une actualisation du prix de vente des garages à hauteur de 15 000 euros hors taxes et emplacement de parking à 10 000 euros. Donc on vous soumet à cette délibération. Si vous n'avez pas de remarques ou questions particulières sur ce sujet, qui me semble assez simple à mon sens. Est-ce qu'il y a des questions sur non, je pense que c'est... les garages de l'île aux Baudins? Moi, simplement 10 000 euros parking en 2021 et 8 000 en 2020, ça fait 25% d'augmentation. Alors, je ne sais pas si les 8 000 euros... Bon, je ne sais pas. En 2020, le parking était à 8 000 euros, mais est-ce que l'avis des domaines datait de 2020 ou était antérieur? Je ne sais pas si on a cette information. On se cale sur l'avis des domaines. Donc, en fait... Donc, vous savez que Belay a pris de la valeur. Et c'est bien. Et c'est bien. Vas-y, la preuve en est, l'immobilier, on n'arrête pas de signer des délires. Non, trêve de plaisanterie, c'est surtout... tout ça, ça fait partie quand même... Parce qu'on travaille énormément avec les services aujourd'hui, avec un groupe de travail sur la stratégie patrimoniale de Belay, c'est-à-dire tous les actifs que la ville a aujourd'hui. Donc c'est 40 bâtiments. Hein. Donc ces bâtiments sont vraiment scrutés, réfléchis, savoir ce qu'on en fait, quelles perspectives on leur donne, est-ce qu'on rénove, est-ce qu'on cède, est-ce que voilà, il y a une vraie réflexion à mener parce qu'on a un patrimoine important et on ne peut pas aujourd'hui en assurer la totalité de la gestion. Donc il faudra qu'on prenne des décisions et on peut pas attendre. Ces garages, ça fait longtemps qu'on les a, à un moment on décide, on les cède et il faut qu'on aille vite sur bon nombre de sujets. Les services sont très mobilisés là-dessus parce qu'on les fait, on les pousse à certaines réflexions. Pour qu'à un moment, voilà, on soit un peu proactif sur notre patrimoine, parce que on a aussi du nouveau patrimoine. Hein. Vous avez vu avec Bulle d'éveil, c'est très bien, une belle opération, mais après, il faut s'occuper de l'ancienne crèche. Donc là, pareil, il y a tout un quartier à réfléchir. Donc on a, sur pas mal de quartiers, entamé beaucoup de réflexions, parce qu'on veut agir vite, et puis à un moment aussi, se séparer de certains tenements qui aujourd'hui... eh bien, nous pèse aussi dans nos finances et surtout où sur certains quartiers il y a plus trop de vie, et en tout cas nous on veut revitaliser, ça fait partie de notre programme. Donc ça fait partie les garages de cette réflexion globale. Donc qui est soumis au vote aujourd'hui pour la fixation des prix puisqu'on veut les céder. Qui est contre? Pardon, vas-y, fais voter Virginie, c'est bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, voter à l'unanimité, merci. Parfait. Délibération suivante concerne les redevances spéciales gros collecteurs. Par rappel, par délibération du 3 juillet 2021, donc le conseil municipal a autorisé le maire à signer les contrats pour 2021. Or, pour 2020, les contrats n'ont pas été signés alors que les prestations ont été réalisées. Donc on vous propose de régulariser l'année 2020 et de souscrire un contrat donc pour les différents points que vous voyez à l'écran. Donc pour l'hôtel de ville, 1,89 tonnes, donc correspondant à un montant de 509,18 euros. École Jean Ferrat, 5,35 tonnes. École des Charmilles, 2,05 tonnes. L'école des Cordeliers, 1,03 tonnes. L'école de la Rodette, 1,03 tonnes. Et le cimetière, 13,86 tonnes. Donc les membres de la commission finance ont donné un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce sujet? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Voté à l'unanimité. Prochaine délibération qui concerne une recette exceptionnelle pour le remboursement d'un mobilier urbain suite à un accident de la route qui avait eu lieu en date du 9-11-2021, rue du 8 mai 45.
donc le tiers ayant causé ces dommages avait été étant identifié. Donc il est proposé aux membres du Conseil d'émettre un titre de recette sur le compte 7788, produits exceptionnels divers, donc pour la somme de 1 620 €, donc à l'attention Transport Perrichot, Monsieur Lionel Perrichot. Cette somme visant à rembourser, bien sûr, la commune des sommes déjà engagées sur cet accident qui a eu lieu. Donc, pas de questions particulières à ce sujet. Donc, qui s'abstient, qui est contre, merci à tous. Je vous propose, si c'est possible, de me voir en les deux délibérations suivantes ensemble, puisqu'elles sont assez conjointes. Hein. Elles concernent en fait l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition des services techniques de la police municipale pour la première et pour la deuxième pour... que je me souvienne bien. Services techniques et sport à la CCBS. Donc en fait, c'est une... ça avait été signé le 1er janvier 2017. Et donc, en fait, c'est une modification qui consiste en fait à ne plus appliquer d'indice de révision et de fixer, de figer le coût de remboursement à 30 € de l'heure. Ce coût pourra être revu sur décision du Conseil, bien sûr, communautaire. Et donc, c'est un avenant qui prend effet à compter du 1er janvier 2018. Et donc, est-ce que vous avez des questions particulières sur ces deux avenants qui sont... vous sont proposés, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci à vous. On va passer maintenant, je crois, au personnel communal. Donc il y a deux parties. Il y a la partie tout d'abord des emplois à temps non complets. Donc suite à un départ à la retraite, donc il y a eu suppression du poste d'agent de maîtrise d'une durée d'hebdomadaire de 15h30, qui était la référente du conservatoire. Donc c'est une suppression de poste pour ce temps à non complet. Donc derrière, vous avez le tableau qui vous rappelle l'ensemble des temps qui sont autorisés et qui sont pourvus. Et ensuite, on a deuxième partie, c'est le personnel communal avec modification du tableau des emplois à temps complet. Donc là, on a des recrutements et départs en retraite. Donc tout d'abord, la suppression de postes. Un poste d'adjoint au responsable d'équipe technique d'agent de maîtrise, donc suite à un départ à la retraite. Et la suppression d'un poste de gestionnaire d'espace animation. Et la création de postes, donc un poste de gestionnaire service administratif, un poste de responsable de service technicien et 3 postes d'ouvrier polyvalent agent de maîtrise. Est-ce que vous avez des remarques ou questions particulières? Je vous en prie. Le poste de gestionnaire d'espace d'animation, c'est quel équipement? En fait, c'est le poste de gestionnaire d'espace animation qui est transformé en poste de gestionnaire des services administratifs. D'accord. C'est pas une suppression sèche. Ok. Voilà. Et le poste précédent, le poste que vous avez souligné du 15h, celui qui est à 15h. Celui de non complet. Oui. Et ce poste, c'est une suppression sèche ou c'est... Oui, c'est une suppression sèche. Celui-là. Ça veut dire qu'au conservatoire, référent de conservatoire, c'était un poste d'accueil. C'était un poste... Non. Non. Agent de maîtrise. Agent de maîtrise, c'était un... Non, c'était 15h30, référent de conservatoire. Ça devait être l'entretien. Entretien ? Ouais. La personne qui faisait l'entretien. On a retravaillé l'organisation de l'entretien des locaux et on a pu ne pas remplacer, effectivement. C'est Madame Turpin, pour être précis. D'accord. Vous me dites, hein. Non, je voulais simplement, je pensais au conservatoire parce que je trouve qu'au niveau de l'accueil, au conservatoire, il y a de moins en moins de... Il
Il y avait une personne avant qui était à l'accueil, quasiment à temps complet. Il y a Alexandre aujourd'hui, Godard. Oui. Vous n'avez pas réduit quand même le nombre de, le temps d'accueil des... En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas de retour sur le fait qu'il y a un problème sur l'accueil du conservatoire. Bon. Et d'ailleurs, je remercie Alexandre, s'il a fait un gros travail en début d'année avec un problème de logiciel. C'est plutôt, il faut qu'on renforce les outils, qu'on soit plus performant là-dessus. Pour que... Mais oh, je n'ai pas eu de retour de problématique. Mais c'est... Non, mais c'est bien de le souligner. Mais on essaye à chaque fois, vous savez, que les systèmes d'information, les logiciels et autres, on essaye d'optimiser, parce que il reste que le voilà, conservatoire, c'est... Comme on le dit souvent, c'est près de 500 000 euros de déficit. Il faut qu'on puisse bien réfléchir, bien dimensionner. Voilà, donc, mais ce n'est pas que le conservatoire, c'est à tous les services qu'on essaie de réfléchir, à bien poser les choses avant de... Parce que c'est très facile hein, de recruter. Tout le monde sait le faire. On recrute à l'externe dès qu'on a des besoins. Il faut que nous, on se pose beaucoup de questions sur la mobilité interne et autres. Comment on peut optimiser les choses ? Parce que c'est très engageant au niveau de la masse salariale ensuite. Donc, prudence. Alors du coup... Oui, peut-être pour compléter pour le conservatoire, on n'a pas réduit le nombre d'heures d'accueil du conservatoire depuis 3 années, je crois, où effectivement l'agent qui s'occupait du secrétariat et de l'accueil du conservatoire a été rebasculé pour 14 heures uniquement au service communication. Et c'est un agent qui effectue des semaines à 37h30. Donc il est au moins 23h30 à l'accueil du conservatoire. Tu as fait voter Virginie, t'allais, vas-y, bah fais voter. Donc, c'est à moins qu'il y ait d'autres questions, non, c'est très bien. Tableau des emplois, c'est classique. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Merci, voté à l'unanimité. Subvention. Ensuite, concernant l'avance de subvention 2022 au CCAS de Belay, donc afin d'assurer une trésorerie suffisante et surtout de permettre le paiement des charges du personnel, le versement de secours urgents, donc avant d'avoir le budget primitif. Donc on demande au conseil municipal d'accorder une avance de subvention donc d'un montant de 291 000 euros. Donc on rappelle pour mémoire qu'en 2021, la subvention votée pour le CCAS était de 1 014 760 euros. Donc on vous propose à la délibération, bien sûr, d'accorder cette avance de subvention. Donc est-ce que vous avez éventuellement des remarques ou quelque chose à dire ? Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, votez à l'unanimité. Donc là, c'est une petite délibération qui concerne le remboursement de frais de visite médicale à un agent, à qui il y a eu par erreur facturation directe de sa visite médicale. Donc, bien sûr, on va lui rembourser le montant qu'il a avancé d'une valeur de 36 euros. Donc je pense qu'il n'y aura pas de remarques. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Un autre sujet pour le personnel communal, c'est l'augmentation de la valeur du ticket restaurant. Donc pour rappel, la valeur faciale avait été révisée par délibération en 2011 avec deux paliers. En 1er avril 2012 avec une valeur faciale de 4,80 euros répartie à part égale entre la ville et l'agent. Et au 1er avril 2013, une valeur faciale de 5 euros toujours répartie à part égale entre la ville et l'agent. Et donc les représentants du personnel ont donc sollicité à compter du 1er janvier 2022, une réévaluation du dispositif en faveur des agents et surtout une augmentation de la valeur prise en charge faciale des tickets et une modification de la répartition. Donc il y a eu une étude qui a été menée, un travail conjoint avec le comité technique. Et lors de la séance du 10 novembre, un avis favorable a été donné avec la proposition d'une valeur faciale de 5,50 euros et une prise en charge de 60% par la collectivité et de 40% par l'agent.
Donc, ce qui impacte un impact budgétaire sur l'année 2022 évalué à peu près à 15 000 euros. Donc, si on fait une projection à partir des données 2021 sur 92 agents avec 5 semaines de congés annuels, puisqu'on a vu précédemment que nous sommes sur ce nouveau calcul. Est-ce que vous avez des questions ou remarques sur cette délibération ? Oui, Monsieur Mérand, on arrive à... Ça a été débattu sur beaucoup de CTP, un comité technique paritaire avec les représentants du personnel. Ça a été une demande récurrente. Bon, on y arrive cette année à leur accorder à peu près ce qu'ils souhaitaient. Je pense qu'ils sont quand même satisfaits du message qui est envoyé. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, votez à l'unanimité. Subvention association les poupettes des dunettes. C'est très joli. Je suis très contente de vous parler des poupettes des dunettes. C'est gentil, mais je l'ai déjà... J'ai lu. Donc c'est pour la participation au 4L Trophy. Peut-être vous connaissez ou pas, qui est un raid d'étudiants Europe et qui se déroulera du 17 au 25 février. Et la commune a été sollicitée pour accompagner l'association Les Poupettes de Dunettes en achetant un encart publicitaire. Donc en contrepartie, il y a eu une demande quand même, c'est que le logo sera posé, mais il y aura une restitution de ce périple qui sera fait donc au niveau d'une classe de primaire pour comprendre en quoi consiste. Donc c'est un échange, on va dire, qui a une portée pédagogique un petit peu derrière. Je vais peut-être laisser Sylvie, si tu veux compléter. Parce que Simplement compléter. On s'était engagé à aider les jeunes. Donc on avait voté la bourse à projet. On savait que toutes les demandes ne rentraient pas dans ce cadre. Et on a cette demande d'un équipage, dont une jeune Belaisane. Et effectivement, c'est un raid humanitaire. C'est voilà, ça reste. C'est en lien avec des associations, notamment la Croix-Rouge et puis les enfants du désert. Et du coup, je les ai mis en relation avec les écoles de Belé. Donc deux écoles ont répondu, c'est-à-dire l'école Géchermy et l'école Jean Ferrat. L'équipage viendra le 21 janvier présenter la voiture et puis leur raid, ce en quoi ça va consister. Et puis ils reviendront après le raid, puisqu'il y aura une vidéo qui sera faite sur ce raid et puis surtout lorsqu'il y aura les dons de matériel éducatif et matériel sportif. Dans une école, et ils reviendront donc présenter ce raid et puis ce qui s'est passé aux enfants. Voilà. Donc en fait, ce que m'a dit une directrice, elle me dit c'est vraiment super parce que nous, on est finalement enfermés avec notre Covid et on a peu d'ouverture sur l'extérieur. Et ça sera aussi l'occasion de voir un petit peu les choses différemment. Voilà. Très bien. Donc, il est proposé aux membres de verser, du conseil municipal de verser donc à cette association une subvention de 400 euros donc pour cette participation au 4L Trophy pour un encart publicitaire donc, qu'on appelle de classe 4. Donc, j'imagine que c'est une dimension. Oui, c'est sur le capot, mais côté garde-boue, au-dessus de la roue, voilà, par choc, voilà. Et du coup, il y aura le logo de la ville de Belé qui sera quand même assez visible, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou autres, ou je pense que l'explication de Sylvie était très claire. Très bien. Est-ce que vous êtes quelqu'un est contre, s'abstient? Eh bien, je vous remercie tous. Et je laisse la parole à Marie-Hélène, je crois. Bonsoir. Donc, dans cette délibération, il s'agit simplement de nommer la place qui est donc au milieu des immeubles réalisés par la SEMCODA, les immeubles qui sont achevés. Et donc, la ville doit donner un nom à cette place. Ça a été évoqué en commission urbanisme et travaux qui a retenu
qui a retenu le nom de Place de la Vieille Porte. Donc on vous demande de vous prononcer sur ce nom qu'on pourrait donner à cette place. Est-ce que vous avez des remarques, Charlotte ? J'ai le pouvoir de Monsieur Salagnon et j'ai un message à vous lire. Merci. Concernant le nom de la place de la Vieille Porte, qui n'en est pas une, je proposerai plutôt place de la Porte de l'Arc, aujourd'hui disparue, mais qui était ici la troisième porte de la ville. Ou je proposerai sinon la place des Visitandines, puisque historiquement ici était le couvent du même nom. Il s'agit là de donner des noms qui ont une fonction de rappel historique et non pas de perpétuer une erreur par commodité langagière. Et donc, au nom de Gérard Salagnon, je m'abstiendrai. Très bien, je prends note de cette remarque. On peut passer au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc une abstention, Monsieur Salagnon, je pense. Merci. Donc deuxième délibération porte donc sur l'opération façade. Nous avons eu encore sur ce conseil deux réalisations qui ont été faites et pour lesquelles on vous demande de bien vouloir valider les subventions qui seraient accordées donc à deux personnes qui ont réalisé donc leur façade. Il s'agit de Monsieur Vardashlivi Roman, 23 rue Garmont, pour un montant de 102,20 €. Et de Madame Michaud Karine pour la copropriété au 4 rue Saint-Martin pour un montant de 929,80 €. Donc ce sont des subventions qui sont accordées après réalisation, documents d'urbanisme, vérification par Solia. Pour cette année, je profite de rappeler, et on va en parler sur le sujet suivant, on a examiné 9 dossiers au mois de juin et 6 à la dernière commission du mois de décembre, dossiers qui sont passés avec Solia pour proposer leurs conseils et des améliorations de façade. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? On peut passer au vote ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ben, merci pour cette unanimité. Alors, troisième sujet en urba, donc toujours en rapport avec les façades. Nous avons depuis plusieurs années une convention avec Solia qui nous accompagne pour donc embellir la ville au niveau des façades. Et la convention s'arrête le 31 décembre 2021. Aussi, il convient de pouvoir renouveler ce contrat d'opération de ravalement de façade. Et nous souhaitons donc vous proposer de reconduire avec Solia cette convention. La commission urbanisme a émis un avis favorable ainsi que la commission des finances. Vous aviez dans le dossier donc le contrat qui était proposé. Cette année, il est proposé donc sur les trois tarifs, une augmentation de 2%. Il n'y avait pas eu d'augmentation, je crois, l'année dernière. On vous propose également de prendre cette convention sur 2 ans. On a eu, par exemple, en 2018, le contrat avait été conclu sur 3 ans. En 2020, on l'a reconduit pour 1 an. On travaille bien avec M. Perrin, qui maintenant, quand il a des dossiers, se rapproche également de l'architecte des bâtiments de France pour se mettre d'accord et avoir un avis commun sur les colorations et la méthode de travail sur les façades. Et là, on vous propose une durée de 2 ans sur ce contrat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et peut-être je passe la parole à Dominique Cano. Merci. Donc, c'est une convention de superposition d'affectation sur le domaine public concédé à la Compagnie nationale du Rhône. Donc, la commune, elle possède deux pontons flottants sur le canal. Donc, juste à côté du pont qui passe sur la départementale 1504. Donc, dans le cadre de cette concession confiée par l'État à la CNR, il convient de fixer les conditions techniques et financières de la socialte fluviale. Donc cette convention est à titre gratuit pour une durée qui arrivera à échéance en décembre 2023. Elle pourra être discutée à cette date. Cette convention souhaite mettre définitivement cette affectation supplémentaire. La convention ne pourra être résiliée qu'en modifiant la décision de la Compagnie nationale du Rhône par lettre recommandée dans un délai de 1 an. S'il y a une activité économique, donc une convention d'occupation temporaire sur le domaine concédé, avec versement d'une redevance par la commune, devra être conclue. Donc c'est une convention que tu as renouvelée régulièrement. Si vous avez des questions, pas de problème. Sinon, on passe au vote. Les commissions urbanisme et travaux ont émis un avis favorable. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voter est à l'unanimité. Donc, on va donc passer à une autre chose. L'implantation de conteneurs semi-enterrés. Donc, des conteneurs semi-enterrés ont été implantés aux Écassa et à Bilignan. Donc maintenant, il convient aujourd'hui de procéder à l'acquisition des deux parcelles sur lesquelles elles sont implantées. La parcelle cadastrée BE92 d'une superficie de 760 m² et la parcelle cadastrée AO37 d'une superficie de 2357 m². La commune, pour un montant de 200 euros chacune, la commune prendra en charge les frais de détachement de la surface et des parcelles, ainsi que les frais notariés. La commission urbanisme et travaux ont émis un avis favorable. La commission finances a émis un avis favorable. Donc ces conteneurs sont déjà installés, bien sûr, depuis pas mal de temps. Donc, y a-t-il des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité. Donc vous avez les plans. Après, donc des conteneurs installés pour aller aux Écassa et aussi pour aller à Bilignan. Très bien. Ensuite, une convention de co-maîtrise, l'aménagement de la rue Saint-Martin. Donc cette rue Saint-Martin, qui une fois terminée, la Comcom nous avait décidé d'une avance de 80% de la base des montants à l'issue de la phase PRO. Avec la délibération du 22 mars 2021, numéro G01, relative à la passation d'un deuxième avenant pour régularisation financière suite à la réception du chantier. Donc, il appartient aujourd'hui de régulariser cette délibération. Les travaux, il y a eu des modifications, des travaux relatifs au réseau SEC, fibre optique et télécom, des plus-values dans les travaux de voirie relatifs au choix des matériaux qualitatifs, béton désactivé, enrobé, grenaillé, et clous podotactiles. Donc la réception des travaux, la réception des chantiers avec levée des réserves a été prononcée le 26 janvier 2021. Et les décomptes généraux définitifs ont été établis. Le bilan financier de l'opération s'élève à 1 718 515 TTC. Aujourd'hui, il convient d'annuler et de remplacer la délibération du 22 mars 2021 par un nouvel avenant numéro 2, afin d'y faire apparaître le bilan de répartition définitive entre la ville, la régie des eaux et le CCBS. Donc la ville de Belley, la régie des eaux et la CCBS, les tarifs sont en face, bien sûr. Donc la CCBS avait déjà apporté une avance de 509 170 euros
à titre des marchés de travaux et de prestations de maîtrise d'œuvre relevant de la compétence. Le solde facturé à la CCSB de Belley est le solde à facturer la CCSB par la ville de Belley. CCBS, oui, pardon. Est de 6 880 euros. Donc, les membres du conseil municipal sont invités à autoriser M. le maire à signer cet avenant. La commission urbanisme et travaux ont émis un avis favorable. La commission finances a émis un avis favorable. Donc, c'est une régularisation, tout simplement. Commentaires, questions ? Non. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Pardon. Et pour terminer, il y a une convention avec Inédis pour le Clodestin et la Fulie. C'est toujours la même convention d'Inédis, parce qu'Inédis va faire des travaux donc, en face du Clodestin. Ils vont faire une tranchée de 9 mètres sur notre propriété. Donc il faut autoriser M. le maire à signer cette convention pour qu'Inédis puisse améliorer le réseau électricité. Donc voilà, c'est la même convention avec Inédis depuis X temps. Comme d'habitude. Questions, remarques ? Bien. Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, votez à l'unanimité. Merci, Dominique. Merci. On va laisser la parole à Nick Luzel, adjointe à la culture. Annie, médiathèque, modification du règlement intérieur. Voilà, là donc il s'agit d'une délibération portant sur quelques modifications du règlement intérieur. Alors, on va peut-être voir à l'écran, les modifications, elles doivent être en vert. Voilà, peut-être pas aller si vite. Peut-être remonter de début. Voilà, donc il est noté, hein, puisque maintenant, la médiathèque s'est dotée d'un espace numérique assez important. Donc, il fallait absolument le mentionner dans le règlement intérieur. Également, l'espace audio et vidéo, avec les conditions d'accès. Ensuite, si on descend un petit peu... Il y a quelques modifications aussi. Voilà, alors on ne voit pas très bien. C'est sur la gestion des retards. Voilà comment sont vus les retards de documents. Voilà, lorsqu'ils ne sont pas rendus, vous verrez à la fin comment ça se passe dans la gestion. Le premier rappel, c'est 7 jours après par mail. Deuxième rappel, 21 jours, etc. Voilà, c'est la gestion des retards. Il y a également le remboursement des documents détériorés ou perdus, voilà, avec un tableau de remboursement en fonction des documents perdus. Et voilà. Puis, voilà, après, le document le plus important, on va dire, c'est... Enfin, là, il y en a un autre avant, pardon. Là, on a augmenté le nombre de documents qu'il est possible d'emprunter. Voilà, et c'est aujourd'hui 10 documents à imprimé, alors que jusqu'alors c'était 8 documents. Voilà. On a profité pour retoiletter un peu tout ça. Voilà, et voilà, absolument. Et puis enfin, le document, si on descend, oui, c'est la mise en place d'une charte d'utilisation de l'espace numérique, qui est obligatoire. Évidemment. Voilà, c'est ce qui constitue ces modifications du règlement intérieur. Surtout dans le cadre de la RGPD. Voilà. Remarques, questions ? Règlement intérieur, modification. Parfait. Allez-y, Annie. Ensuite, nous passons au conservatoire de musique. Il faut faire voter la modification du règlement intérieur. J'allais trop vite. Alors, qui est contre ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Voter à l'unanimité, merci. Délibération suivante, ça concerne également des modifications du règlement intérieur et du règlement général, hein, pour le conservatoire de musique. Donc vous voyez en rouge, là cette fois-ci c'est en rouge, voilà, on a rajouté « et commune partenaire ». Ça c'est dans le cadre de notre démarche que nous avons entamée avec les communes de la communauté de communes et toutes les autres également du territoire. Donc il fallait qu'on rajoute dans ce règlement la mention « commune partenaire » puisque c'est « commune partenaire » pour les élèves bénéficient du même tarif que ceux de Belley.
Donc ça, c'était sur la page suivante, c'est rappelé encore une fois. Une retouche sur le conseil d'établissement. Aussi. Voilà, et après, voilà, ça sera en page numéro 4, si on continue. Voilà, sur la mise en place du conseil d'établissement. Alors, le conseil d'établissement existait déjà, mais il avait été mis en sommeil. Voilà, et puis là, de nouveau, on l'a remis, depuis l'a remis 2015, en route. Hein. Voilà, c'est ça, il était un petit peu mis en sommeil. Donc, nous avons souhaité le remettre en route. Et voilà, donc vous avez ici, vous allez avoir la composition de ce conseil d'établissement qui s'est déjà réuni. Hein. Voilà, il s'est réuni fin novembre. Voilà, c'est. Vous avez donc tous les membres qui font partie de ce conseil. Les professeurs, les parents d'élèves, les élèves, les représentants des maires, enfin les maires partenaires, monsieur le conseil départemental, et madame aussi, puisque vous êtes tous les deux invités, puisque vous amenez quand même une subvention significative pour le conservatoire. Donc nous allons ce conseil d'établissement va travailler principalement sur le projet d'établissement, qui est un document important pour définir les orientations de cette structure. Voilà. Donc on va passer au vote, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Quelles sont les communes qui aujourd'hui ont signé ? Micro. Micro, alors, parce que sinon elle ne va pas pouvoir. Quelles sont les communes qui ont signé? Voilà, alors il y a la commune de Saint-Germain-les-Paroisses, Chaigneux-la-Balme, Premzel, Brégnier-Cordon, et nous attendons une confirmation de la commune de Yenne. Et nous remercions chaleureusement ces maires partenaires qui ont compris l'intérêt de collaborer avec nous, et je pense qu'on va faire du beau travail ensemble, notamment avec ce conseil d'établissement qui va nous permettre de donner de vraies directives et des belles orientations à ce conservatoire à rayonnement communal qu'on espère un jour voir à rayonnement plus large. Annie, voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, donc on continue notre démarche, hein, j'en profite puisque nous parlons du conservatoire, nous continuons notre démarche auprès des maires qui sont très attentifs et on fait vraiment du service après-vente, si on peut dire, puisque nous allons, je vais avec la directrice du pôle culture dans les communes, assister les maires dans leurs conseils municipaux pour leur expliquer notre démarche, et c'est très important parce que là, ils ont vraiment tous les éléments, ils sont à même de prendre une décision. Voilà, donc on attend, les conseils municipaux se déroulent toute l'année, donc ça se fait au fur et à mesure, mais j'espère qu'on va y arriver, parce que là, c'est bien parti. Le conservatoire nous a pris beaucoup de temps en ce début de mandat, hein. Déjà sur le mandat précédent, certains s'y intéressaient, on s'y est fortement intéressés, avec, je tiens à remercier Annie Cluzel, évidemment, et Richard Bénistan, mais aussi tous les services, parce que ça a pris beaucoup d'énergie. Pareil pour Alexandre Godard, qui a revu certaines choses dans les inscriptions et autres. Voilà, je pense qu'on a fait un gros focus, mais il y en avait besoin, parce que il fallait que les élus reprennent en main le pilotage, le pilotage en tout cas, de définir les orientations, parce que le pilotage, c'est le directeur, c'est M. Perrin qui s'en occupe. Mais voilà, je pense qu'on apporte un véritable support et j'ai beaucoup d'espoir avec ce conseil d'établissement qui est vraiment indispensable, et on en a un nouveau qui va être sur le premier trimestre aussi, avec, je l'espère, encore des communes partenaires qui viendront nous rejoindre. Alors, nous allons passer. C'est bon, Annie, c'est bon pour vous ? Est-ce qu'on a voté il nous manque le règlement des études, c'est ça ? Alors après, il y aura le règlement des études. Oui. On le fait après, ça c'est la délibération suivante. Nous, on a fait le règlement intérieur. Et ouais. Règlement général, et il y a une autre délibération pour le règlement des études. Oui. Donc ça, on n'est pas passé. Il faut faire voter. Mais oui. On fera les deux en même temps. On fera les deux en même temps. Allez, finissez avec les études. Alors, règlement des études, parce que dans ce conservatoire, il y a donc beaucoup de règlements, hein, règlement intérieur, règlement général, règlement des études.
Donc là, vous pouvez voir aussi, on va essayer de voir à l'écran les modifications. Dans l'art. Voilà, dans le, dans, voilà cinq, un petit peu plus loin dans le tableau. Cinq. Numéro 5, voilà, en rouge, vous voyez, initiation musicale. Donc ça, c'est un cursus nouveau pour les enfants de 5-6 ans. Voilà, il n'y en avait pas avant, puisque c'était, il y avait l'éveil musical pour les 4-5 ans. Et là, c'était une autre tranche a été ouverte pour les enfants un petit peu plus âgés. Voilà. Après, ce sont des détails. Hein. Pour la formation musicale, en deuxième cycle, on passe à 1h15. Voilà, ce sont des choses très, plus techniques. Voilà, et si on continue. Voilà, après, ça. À la fin, par exemple, sur le cycle numéro 2, voilà, de quoi est composé le cycle numéro 2, le cycle 2, pardon, ou le cycle 3. Il y a des définitions, des prestations à fournir. C'est très technique. C'est plus loin, c'est l'article 8.2. Voilà, là, ce qui est en rouge. Ça, c'est plutôt plus technique. Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote. Ça ne vous dérange pas, on vote à la fois la modification du règlement intérieur et aussi du règlement général et aussi les modifications du règlement des études. Ça vous convient? On vote les deux en même temps? Parfait. Qui est contre? Alors, qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Merci. Annie. Nadine Thévenot, vice-présidente de la commission commerce, foire et marché. Chère Nadine. Alors là, il s'agit du commerce de détail avec les dérogations au repos dominical pour l'année 2022. Donc chaque année, des dérogations au repos dominical peuvent être accordées au commerce de détail dans la limite de 12 dimanches par an. Et en concertation avec les commerçants de l'UQAM, du centre-ville et du centre commercial, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture des commerces de détail les 8 dimanches suivants. Donc le 16 janvier, premier dimanche des soldes d'hiver, le 26 juin, premier dimanche des soldes d'été, le 28 août, le 4 septembre, le 27 novembre, le 4, 11 et 18 décembre. Donc nous devons nous prononcer sur ces décisions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors c'est... Opposition non, abstention non, et M. Mérand, il est parti. Mais on va... Hein. Donc voté à l'unanimité. Pendant qu'on est sur le commerce, je voulais vraiment me remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du marché de Noël. Je le redis, je le répète, pour les élus, Nadine, Daniel, Marie-Hélène, les autres aussi qui se sont qui les ont accompagnés, l'UQAM, parce que c'était co-organisé avec l'UQAM, vraiment. Pour ceux qui ont apprécié, remerciez-les parce qu'organiser quelque chose en 2000, pardon, et les services évidemment, les services, sans eux on ne fait pas grand-chose, avec Nathalie Gruselin en tête de pont sur cette affaire, service technique, enfin, j'ai la communication, on a on peut remercier tout le monde parce que je l'ai dit à l'inauguration, mais ça a été un vrai travail d'équipe, mais honnêtement... Organiser quelque chose en 2021 avec le contexte Covid, c'est pas simple. Donc, si vous les croisez, je lance un appel aux Belaisans. Pour ceux qui, en tout cas, qui ont apprécié, n'hésitez pas à leur dire, parce que honnêtement, j'ai été très inquiet hein, jusqu'à la dernière minute, parce qu'on était sous fond d'annulation. Ça a été, voilà, une belle animation, même si on aurait aimé, voilà, qu'il n'y ait pas les contraintes sanitaires, mais on a fait. Comme on a pu, et pourtant on avait mis aussi les moyens cette année, mais on a voulu maintenir pour garder une animation en cœur de ville. Donc voilà, merci à tous, les élus, les agents, et l'UQAM, évidemment, qui a fait une belle communication aussi. Je voulais le souligner. Richard Benistan, alors, qui c'est qui va nous... Alors c'est chacun de... Voilà. C'est pour les subventions aux associations. Donc, subventions aux associations diverses, ça doit être pour toi, Richard, à mon avis, si on respecte l'ordre. Les pompiers, là, les anciens effectivement, combattants. Effectivement, ça ne va pas être très long, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, c'est deux subventions qui sont versées à des toutes petites associations
Je me reprends. Des sommes que l'on verse. Petites sommes. Des petites sommes que l'on verse, effectivement, pas des petites associations, pardon. Et que l'on vient effectivement ici vous demander de valider. Voilà, tout simplement. Les anciens combattants, 200 euros, c'est effectivement très modeste. On l'a quand même augmenté. C'était 150 l'an dernier, de mémoire. Et puis l'Amicale des sapeurs-pompiers de Belley, effectivement, qui n'est pas une petite association, comme chacun le sait. Je me reprends. On va voter une par une. Là. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Donc c'est voté, merci. Subvention scolaire. Alors, c'est... On a eu 4 demandes de subvention. Donc, classiquement, les 4 associations sportives du collège, lycée et lycée professionnel. Donc, les montants correspondent à leurs demandes et globalement à ce qu'elles ont eu l'année dernière. Il y a eu peut-être une petite augmentation pour le collège. Voilà. Et puis, l'association du sous des écoles aussi, hein, où on réglemente les choses avec 5,22 € par enfant. Qui sera reversé dans les projets pédagogiques, monsieur Mirand, en plus. Voilà, et puis 800 euros de fonctionnement. Donc, ce qu'on sait cette année, c'est que les associations ont bien répondu. On a informatisé, on a fait un dossier unique. Et du coup, ça a simplifié la tâche pour nos associations, en tout cas. On a eu des dossiers complets, alors qu'habituellement, on n'en a pas forcément. Donc, voilà, tout ça pour un montant de 55 994,64 €. J'ai dit 5000. Je recommence. 5594,64 €. Voilà. Remarques, questions. Il y a des remarques, des questions. Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour les associations. Très bien. Annie Cluzel pour la subvention aux associations culturelles. Et là, je demanderai au président d'association, évidemment, de sortir. Quand on évoque, parce que c'est bien, on a des élus engagés aussi, des élus présidents d'assos. Bon courage à vous, ça fait beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est très bien, mais il faudra forcément sortir pendant qu'on votera la subvention qui concerne votre assos. Ben, c'est l'ensemble. Alors, on va pas détailler chaque montant. Non. Annie, vous voulez faire un global? Non, est-ce qu'il y a des remarques sur les associations, les montants? Oui, Charlotte. Oui, j'ai 3 remarques. La première, c'est que pendant le dernier débat d'orientation budgétaire, vous aviez parlé de la redéfinition des critères. Donc, ça, je voulais savoir un petit peu où c'en était, et notamment sur l'objectivation de certains critères comme la participation à l'animation de la ville. La deuxième remarque, c'était un petit peu en termes de calendrier, mais je sais que l'année dernière, c'était passé au même moment, en termes de prévisibilité pour les associations. On est en décembre 2021 pour leurs activités 2022. Donc, c'était un peu la deuxième remarque. Et puis, la troisième remarque, une remarque surtout symbolique, cela représente 12 750 € en totalité, ce qui fait à peu près un dixième des subventions pour les associations sportives. Voilà. Ah oui. Donc, je voudrais rappeler d'abord, de façon générale, l'objet d'une subvention. Une subvention, c'est de l'argent public payé par les contribuables belaisans. Et elle sert à accompagner les associations qui participent à la vie de la cité, hein, qui sont dynamiques, qui ont des projets, qui se font voir, qui fédèrent des membres. Voilà, c'est l'objectif, c'est le critère principal. C'est que fait cette association pour la ville de Belley. Ça, c'est le critère essentiel. Après, il y en a d'autres. Il faut qu'on voit la vie de cette association. Est-ce qu'elle périclite? Est-ce qu'elle grossit? Quelle est sa situation financière? Parce qu'il y a des associations qui ont une trésorerie, je vous prie de croire, qui va nous faire tous pâlir. Donc, quand on a une trésorerie importante et qu'on demande une subvention, il y a quelque chose qui ne va pas. La ville n'est pas là pour ça.
On veut bien accompagner des projets, mais, et d'ailleurs on le fait, l'année dernière, on a maintenu les subventions parce qu'on était en période de pandémie. On n'a pas voulu revoir tout ça, mais maintenant, les choses doivent être revues. J'ajoute également que cette année, on a toujours la même enveloppe budgétaire. On avait 13 000 euros. Ça fera 12 750 euros, mais il y a 3 associations supplémentaires qui ont fait des demandes. Donc il a fallu répartir les fonds, voilà, aussi en tenant compte de ces nouvelles demandes. Donc un certain nombre de critères sont pris en compte. Je peux vous dire que c'est un travail très long, très important, très minutieux, qui est mené par la commission culture, qui est mené aussi par la commission finance, et c'est certainement pas fait à la légère. Donc je voudrais dire que c'est un travail très important qu'on essaye de faire de façon équitable, mais en tout cas les associations qui sont accompagnées sont celles qui vraiment sont présentes dans la ville, et ça c'est vraiment le critère essentiel. Alors Charlotte, si je peux me permettre, vous avez dit combien, 1/10? Ouais, il faut être prudent sur ce chiffre, parce qu'en fait, il faut aussi intégrer dans tout ça. Prenez vraiment le package. Hein. Et là, je prends par exemple, vous voyez, des associations qui tournent autour de la musique. Il y a le conservatoire qui est derrière. Hein. Donc, c'est un vrai équipement qui vient nourrir totalement l'association. Je rappelle, c'est 500 000 euros le conservatoire, sans compter tous les autres équipements qu'utilisent en tout cas les différentes associations. Il faut vraiment regarder ça dans son ensemble. Et je reprécise, donc c'est vrai que les critères sont assez bien cadrés. Et c'est vrai que moi j'ai été quand même surpris sur certaines associations qui, pour certaines, c'est plus de 50 000 euros de trésorerie. Il y a un moment, est-ce que l'argent des Belaisans, parce que nous on défend ça aujourd'hui, hein, l'argent des Belaisans doit venir nourrir et alimenter une trésorerie. Donc il y a un moment, c'est nous, il faut qu'on soit là au bon moment, au bon endroit, pour le bon projet, évidemment, en soutien, mais venir alimenter la trésorerie sans, en plus derrière, spécialement, il n'y a pas toujours des projets à la clé, il faut qu'on soit très très prudent là-dessus. Voilà ce que je voulais préciser, et pareil pour le sport, des fois on a tendance, parce que certaines associations du sport, ils mettent, ouais mais vous me donnez que X milliers d'euros, mais c'est faux, parce que si on met en face les équipements sportifs, c'est aussi les Belaisans qui mettent à disposition des équipements qui sont de qualité, qui sont entretenus. Je prends l'exemple de Gonnet, on va mettre encore 1 million d'euros. Ça serait trop court de se limiter qu'au montant de la subvention. C'est juste ça que je voulais préciser, parce que c'est quand même important. Et c'est vrai que des fois, dans la tête des associations, oui, mais Belais me donne que 1 000 euros ou 2 000 euros. Oui, mais Belais contribue. Avec tout l'aspect logistique qu'il y a derrière, qui n'est pas souvent d'ailleurs chiffré, et que nous allons chiffrer avec des conventions de partenariat, parce qu'on veut que Belais soit un véritable partenaire pour les associations, et on va dire aux associations, voilà tout ce qu'on vous met à disposition, et voilà ce que les Belaisans payent pour vous. On est là avec l'équipe, je suis là avec l'équipe, pour représenter les Belaisans, et dire précisément ce que Belais apporte à toutes ces structures, parce que certains oublient que c'est pas que la subvention, c'est tout le reste, sans compter le temps agent que je pourrais aussi rajouter. Donc c'est une convention de partenariat pour dire voilà ce qui est mis à disposition, voilà ce que vous faites aussi pour nous, parce que les associations sont un tissu très riche pour nous qu'il faut préserver, et nous on va essayer de travailler à des projets communs, et fixer certaines orientations aussi pour le sport, une politique sportive. Donc les conventions de partenariat, ça va être très important pour nous, pour remettre quand même à la bonne place la ville de Belais. Voilà. Mais c'est bien, parce que j'ai des gens de l'extérieur qui participent à des associations, qui se rendent compte ce que Belais apporte, ce que les Belaisans apportent comme contribution à la vie associative, qui sert à tout le territoire. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, Annie,
Alors effectivement, les subventions, donc on a les subventions de fonctionnement qui permettent à l'association de vivre. Il y a les subventions spécifiques, et c'est là particulièrement pour la culture, où lorsqu'il y a des projets de spectacle, on rajoute un montant. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle, Dimitri vient de l'évoquer, ce qu'on appelle les aides indirectes, où là, effectivement, c'est la mise à disposition des locaux, c'est du matériel, c'est du personnel. Donc tout ça, c'est une subvention. Il faut bien avoir ça en tête, et c'est vraiment très important. Et il ne faut pas se focaliser sur le montant qui est distribué, parce que ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut que les choses soient très claires. Alors, qui doit sortir de la salle pour les subventions culturelles ? Monsieur Mérand ? Et Monsieur Mérand, ouais, non, très bien. Excusez-moi, Monsieur Mérand. Hein, je... Allez, qui ? Comment ça se passe pour le pouvoir, excusez-moi ? Pardon ? Comment ça se passe pour le pouvoir que portait Monsieur Mérand par curiosité ? Eh bien, il ne peut pas voter sur, sur sa subvention. En fait, il peut voter sur les autres, si vous voulez. Hein. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on vote. Bah, parce que lui, il est sur Chanteloube. Donc, ce que je vous propose, on va voter que Chanteloube, d'accord, puis après il rentre, puis il vote pour le reste. Hein ? Voilà, en fait, oui. Parce qu'il a un pouvoir. Ah, mais le pouvoir qu'il a. Ah. C'était par curiosité, mais ça. Ah, bah. Attendez, il a un pouvoir de. Hop. Il a le pouvoir de. De Philippe Rodriguez. Eh bien, quand il reviendra, on lui demandera ce qu'il veut. C'est bien le pouvoir de Philippe. Allez, pour Chanteloube, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, trois abstentions pour Chanteloube. Oui. Donc, trois abstentions pour Chanteloube. Alors, qui c'est les abstentions ? Allez-y. Il y a Monsieur Cheva. Non, non, mais attendez, c'est pour Catherine. Alors, c'est M. Cheva qui s'abstient, M. Salagnon qui s'abstient et Charlotte de Menton qui s'abstient. Et Philippe Rodriguez, on va attendre, à mon avis, le retour de M. Très bien, Mérand. M. Mérand, vous pouvez revenir. C'est tout un... Il est là. Bon. Et vous allez voter pour Monsieur Rodriguez, parce qu'il a bien un pouvoir, hein, Catherine. Monsieur s'abstient, Monsieur Rodriguez s'abstient. Très bien. Bon, ça c'est bon. Et donc pour le reste des associations, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc. Pour tout le reste des associations, vous abstenez aussi. D'accord. Oui, oui, mais vous préciserez. Alors, attendez. Qui s'abstient pour le reste des associations ? Donc, il y a M. Cheva. Ah bah tous, hein, les six. Non, j'en ai six. C'est avec les pouvoirs. Avec les pouvoirs, ça fait six. Alors, pourquoi, M. Mérand, pour le reste ? Je peux préciser pourquoi. Parce que j'ai constaté que certaines associations aussi avaient une réduction assez conséquente. Comme on ne sait pas... on n'a pas contacté ces associations, on ne sait pas ce qu'elles pensent et on ne sait surtout pas, a priori, que ces associations, est-ce qu'elles savent que leur subvention est réduite ? Donc dans ce contexte où il y a une inconnue, d'accord. On s'abstient. Voilà. Très bien, M. Mérand. Ce qui serait vraiment important pour nous, hein, oui. C'est que sur des sujets comme ça, il y ait de la présence en commission pour qu'on en débatte. Ça ne nous fait pas dire. Bon, parce qu'on a besoin, honnêtement, on a besoin, ça va vous faire sourire, mais on a besoin de l'opposition sur ces sujets pour vous expliquer aussi, pour comprendre, et puis après pour vous, vous puissiez aussi dire, attendez, pourquoi si, pourquoi là, enfin qu'il y a un retour. Et c'est vrai que sur certaines commissions, eh bien, ça manque, justement, on ne peut pas venir expliquer toute la pédagogie qu'on met, enfin en tout cas, tous les mécanismes qu'on monte sur ces oui. Dossiers. Je suis d'accord avec vous. 6 élus à la minorité, c'est quand même assez faible pour tenir toutes ces commissions. Mais l'autre élément qui me paraît important, c'est que les associations
sur les critères qui sont invoqués doivent être associés. Vous avez parlé de conventions de partenariat. Moi, je suis absolument d'accord. Peut-être que ces conventions de partenariat discutées avec les associations devraient comporter aussi justement cette discussion sur les objectifs. C'est pour ça que les conventions de partenariat vont toucher tout le monde, les associations sportives, mais aussi les associations culturelles. Pour un moment, qu'il y ait un vrai contrat de signer avec la ville. Et puis qu'on puisse se dire les choses une fois par an sur comment ça fonctionne. Et puis après, avec des reconductions d'année en année. Très bien, merci. Oui, Catherine. Karim Smilly s'abstient. On prend les 6 de l'opposition, on est d'accord. Très bien. 6 abstentions pour les subventions aux associations culturelles. Très bien. Marie-Hélène Deschamps, approbation en tant que présidente du conseil d'expectation des régies, présidente de l'eau et de l'assainissement. Chère Marie-Hélène, à toi. Donc ça, le sujet porte sur les statuts de la communauté de communes par rapport au transfert de l'eau et de l'assainissement. Donc ce transfert qui était prévu de s'effectuer au 1er janvier 2022 a été reporté au 1er janvier 2023 parce que donc avec la trésorerie qui s'en va, donc un petit peu de difficulté à accompagner les communes. Et également les recrutements souhaités dans les fonctions support par la communauté de communes n'ont pas été tous pourvus, donc c'était vraiment difficile de pouvoir mettre tout ça en place et d'être efficace au 1er janvier 2022. Et comme indiqué sur la délibération, donc pas mal d'instances ont pris cette décision. Bureau exécutif du 23 août de la communauté de communes, groupe de travail transfert de l'eau et de l'assainissement du 1er septembre 2021, commission cycle de l'eau du 8 septembre, conférence des maires du 18 septembre et enfin conseil communautaire du 23 septembre. En fait, donc, dans ces statuts, il convient de remplacer les termes de date, puisque tout ce qui devait s'arrêter au 31 décembre 2021 s'arrêtera au 31 décembre 2022, ce qui est le cas donc de l'assainissement non collectif qui nous concerne un petit peu sur Belley pour une partie de la population, l'assainissement des eaux usées, donc l'assainissement collectif et l'eau potable. Vous avez peut-être eu le temps de lire ces nouveaux statuts et les articles correspondants ont été modifiés. C'est donc passé en conseil communautaire et il est proposé que ça passe dans tous les conseils municipaux de la communauté de communes. Parce qu'après, suivant les décisions, en fonction d'un certain pourcentage, ces statuts pourront être modifiés ou non. Donc je vous invite à approuver les modifications statutaires proposées. La nouvelle rédaction des articles 7.3, 7.6 et 7.7. Donc à approuver le projet de statut modifié tel qu'annexé et à autoriser le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour la réalisation de cette opération. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? On peut passer au vote alors. Donc qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, donc concernant le prix de l'eau et les tarifs appliqués par la régie des eaux pour l'année prochaine. Donc comme chaque année, on doit débattre en conseil d'exploitation des régies sur le prix appliqué sur différents tarifs en 2022. On a donc étudié lors du dernier conseil le budget concernant les charges d'exploitation, les recettes d'exploitation, les dépenses et les recettes d'investissement. Il a été proposé de partir de l'indice, mais comme chaque année, de l'indice des prix à la consommation qui s'effectue du mois d'octobre 2020 à octobre 2021. Cet indice est cette année de 2,63%.
Les travaux également définis dans les schémas directeurs et qui génèrent des investissements ont été les projets de travaux sur les années jusqu'à 2024 ont également été mis en avant de façon à regarder l'équilibre du service, puisque c'est toujours la démarche qui est faite. C'est faire des hypothèses sur les travaux qui seront à faire, sur les frais de fonctionnement, sur les recettes en face, pour arriver à équilibrer le service avec des ventes d'eau et corrélativement des ventes d'assainissement, certains travaux, de façon à avoir un service équilibré et qui facture l'eau et l'assainissement au plus juste prix. Donc, partant de toutes ces hypothèses, le conseil d'exploitation a proposé d'augmenter les tarifs de l'eau de 2,63%, ainsi que les tarifs d'assainissement, les tarifs de la participation financière à l'assainissement collectif, les matières de vidange, tous les tarifs habituels. Concernant la société Guillotot, d'augmenter de 3% les tarifs assainissement par rapport au volume qu'elle consomme, parce que nous discutons avec cette société qui produit beaucoup de rejets et qui impacte la station d'épuration, qui consomme beaucoup d'énergie et qui sort un petit peu de la fourchette, on va dire, des traitements générés par leur rejet. Ensuite, donc les autres tarifs. Donc, on a une convention avec quelques communes qui nous achètent l'eau. On appelle ça la vente en gros. Il y a une convention qui fixe pour cette année prochaine le tarif à 0,317 euros le mètre cube. Et des redevances prélèvements qui sont donc facturées aux usagers, mais reversées directement à l'agence de l'eau. Donc, cela ne bouge pas. Et ensuite, les travaux que nous facturons avec nos équipes de la régie, d'augmenter également ce bordereau de prix de 2,63, qui n'est que, le pourcentage d'indice INSEE de l'évolution des prix. Voilà, donc vous avez eu en pièce jointe donc ce que ça pouvait donner au niveau donc d'une facture, au niveau de tous les tarifs. Voilà, quelle était l'augmentation depuis 2019, par exemple. Donc cette proposition a été étudiée en commission finances, qui a émis un avis favorable sur notre proposition. Donc je pense qu'il doit y avoir des questions. Et je vous écoute. Il y a des questions sur le tarif de l'eau. Voilà, on se met à l'inflation et voilà ce qui est proposé ce soir. Pas de remarques ? L'eau est bonne. Bon. Oui, l'eau est excellente. L'eau est excellente. Bon, tant mieux. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas d'observation de remarque, qui est contre ? Qui s'abstient ? Marie-Hélène, bravo pour cette unanimité. Et bravo pour tout le travail que tu mènes au niveau de la régie. C'est beaucoup d'implication, d'investissement et elle est sur beaucoup de dossiers, Marie-Hélène, et notamment sur le transfert de l'eau. Il faut qu'on ait une attention toute particulière sur comment va être pris le projet, le dossier par la communauté de communes. C'est très bien qu'il puisse décaler parce qu'il faut prendre le temps. Et là, je compterais sur tous pour avoir une attention toute particulière sur ce dossier majeur, parce qu'aujourd'hui, l'eau à Belay, ça fonctionne bien. Donc il faudra que ça fonctionne aussi très bien dans l'avenir en évitant de prendre des hausses inappropriées. Mais je sais que Marie-Hélène suit ça, et avec le conseil de la régie, avec attention. Très bien. Eh bien écoutez, fin du... Oui, on va...
On a terminé l'ordre du jour du Conseil. On va passer aux questions. Il y en avait une. C'était donc l'accompagnement du personnel de la médiathèque sur le pass sanitaire. Dites-moi donc. On sait que la question du pass sanitaire crée des polémiques, des controverses, des discussions pas faciles. On sait aussi que les médiathécaires sont en première ligne devant le public, ou par mail ou en présence, et que, évidemment, elles doivent être confrontées à des situations ou des discussions pas faciles. Est-ce qu'il y a eu un questionnement de comment elles vivaient la situation, ou en tout cas des éléments de langage transmis pour faciliter leur accueil du public? Merci. Alors, nous avons des chefs de service qui doivent relayer l'information auprès d'une directrice, une directrice qui doit remonter l'information auprès d'un directeur général des services. On a aussi un CHSCT pour toute problématique. On a un CTP, CHSCT qui se réunit régulièrement. Pour ma part, j'ai eu vent peut-être sur le CHSCT, ouais, de quelques difficultés, mais comme on a tous les jours, hein, ou comme les restaurateurs ont tous les jours, il y a des gens, des sceptiques, des complotistes, des gens qui rentrent pas dans le... Je peux comprendre, hein, je sais que ça nous amuse pas de nous vacciner non plus, de mettre des masques, toutes ces comptes. Mais il y a un moment, dans les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, Covid, et dans le témoignage que je vous donne des agents du service hospitalier, je pense que tout est dit dans ce que j'ai évoqué en début de séance. Donc j'entends en tout cas la... S'il y a des difficultés, il faut vraiment qu'elles remontent pour qu'on puisse gérer... peut-être des situations de stress, de gestion de conflits au niveau de la médiathèque, parce que ce que je comprends, c'est que les gens ne veulent pas présenter le pass, c'est bien ça, hein? Bon, et ben, donc ce que je comprends, c'est ça. Moi, à partir du moment où les gens, et puis je laisserai la parole à Ali, à partir du moment où les gens ne présentent pas leur pass, ben, c'est comme quand on essaye de rentrer dans un restaurant, ben, ça ne marche pas, hein. Et puis nous, on doit protéger le personnel, les enfants, tous ceux qui ont accès à cette zone. Annie, si vous voulez compléter. Oui, donc la médiathèque, eh bien, fait partie des lieux culturels soumis au pass. Hein. Là, je ne vois pas pourquoi ce serait différent. On a l'accueil du public, toutes sortes de gens. Donc pourquoi est-ce qu'elle devrait être, il devrait y avoir une dérogation? C'est pas possible. Il faut être cohérent. Hein. Il faut être cohérent. Dans tous les autres lieux sont soumis au pass. Il faut que nous, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a le personnel à un moment donné a manifesté son mécontentement, etc. Mais bon, après, il faut jouer le jeu. Je veux dire, tous les gens qui dirigent des structures connaissent le problème et on fait avec. Non, mais c'est comme ça. Il faut une cohérence. Dans je pense, Annie, le sujet, c'est comment arriver à traiter des personnes qui, à un moment, sont virulentes. Hein, et je peux le comprendre parce que c'est ça le sujet. Comment on traite ces personnes virulentes qui sont face à nous et qui nous disent « je ne vous donnerai pas le pass ». C'est vrai que c'est pas les agents de la médiathèque, c'est pas la police. Donc en tout cas, on va mettre le CHSCT, les agents de prévention surtout sur le sujet. Et puis si Enzo veut compléter. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de remontée, on va dire, administrative sur ce point-là spécifique. On avait eu des interrogations des agents de la médiathèque au moment de la mise en place du pass sanitaire pour les enfants. Jusqu'à 12 ans de mémoire, et donc leur interrogation était plus sur comment identifier les enfants et la gestion des flux. Donc là, des consignes, on va dire, de bonne gestion en toute intelligence leur avaient été données, voilà, qu'ils n'allaient pas forcément demander les cartes d'identité à tous les jeunes de moins de 18 ans, mais voilà, quand il y avait un doute sur l'âge d'un jeune, et ben il lui demandait le pass sanitaire. Ensuite, on a créé au niveau de la médiathèque un nouveau SAS, si je puis dire, pour faciliter le contrôle du pass sanitaire. Voilà, qui permet de contrôler pour l'ensemble du bâtiment, puisque vous savez, les sections sont dans des endroits différents du palais. Et puis voilà, rien d'autre particulièrement ajouté. On a créé la possibilité d'un système, enfin on a maintenu un semi-système de drive qui permet aux personnes de réserver et de redéposer les documents au même endroit du SAS dont je vous parlais tout à l'heure.
Et par contre, on n'a pas eu de remontée particulière sur des gens qui étaient particulièrement agressifs et difficiles à gérer. Ça a l'air d'être plutôt bien accepté. Prendre un temps de repos, parce que l'année a été lourde et intense. Et en tout cas, voilà, reposez-vous bien si vous pouvez entre Noël et Jour de l'An. Et puis voilà, passez des bons moments en famille, parce que c'est essentiel. Et encore bon anniversaire, cher Manon.